Eh bien, pour commencer, avant de céder la parole dans quelques instants à Erwan Lehomme-Redek, je vous propose que l'on accueille Monseigneur Perceroux, l'évêque de Nantes. Bonsoir, Monseigneur, je vous en prie, rejoignez-moi. Bien, bonsoir à vous et puis merci d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Bonsoir à vous tous qui êtes présents ce soir ici à la Maison Saint-Clair et puis aussi à vous qui participez à cette soirée de vos salles paroissiales ou de vos domiciles grâce à la technique. Alors vous nous l'avez dit en ouverture, la dignité de la personne humaine, elle est au cœur de notre vie en société. En notre pays et en beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, depuis des siècles, des hommes et des femmes de bonne volonté se sont battus et ont lutté, se sont engagés pour que la dignité de la personne humaine soit reconnue, soit respectée et progresse. Et cet engagement, et je crois que c'est important de nous le rappeler ce soir, nous qui sommes là, cet engagement, il est celui aussi des disciples du Christ qui reconnaissent le caractère sacré de la vie. C'est le cœur même du message de l'Évangile. Et nous regardons, nous contemplons Jésus dans l'Évangile qui se fait le frère de tous, qui s'identifie à chacun et qui vient rejoindre chacun jusque dans ses fragilités et ses limites pour les sauver. Et peut-être que dans la soirée que nous vivons ce soir doit résonner cette phrase du Christ. Dans la scène du jugement dernier, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, ce débat national qui s'engage sur la fin de vie et sur une légalisation possible de l'euthanasie, rebaptisée aide active à mourir, doit nous interpeller. Est-il possible d'aider activement à mourir quand l'objectif d'une société soucieuse des femmes et des hommes qui y vivent, doit être de les aider activement à vivre. C'est une question qu'en tout cas, moi, je pose là, en ce début de débat, parce qu'en effet, c'est de fraternité dont il doit être question ici ce soir. Et donc, je souhaite que cette soirée nous éclaire sur les enjeux d'un tel débat, qu'elle nous permette aussi de redécouvrir le message rempli d'espérance de l'Église sur la dignité de la vie humaine et sur l'urgence qu'il y a à le faire retentir en ces temps difficiles que nous vivons. Alors avant même d'écouter nos intervenants, je voudrais saluer ici, et puis aussi celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, je voudrais saluer tout particulièrement les soignants, les membres des équipes d'aumônerie, les visiteurs de malades, de personnes âgées, accompagnants des personnes handicapées. Toutes celles et ceux qui sont engagés pour servir la vie et lui rendre sa dignité. Je pense tout particulièrement à celles et ceux d'entre eux qui travaillent dans les unités de soins palliatifs. Ils accompagnent la vie jusqu'au bout en luttant contre la souffrance, en manifestant compassion et tendresse, et en maintenant autour des patients ces indispensables liens humains sans lesquels on ne peut traverser sans désespoir l'épreuve de la maladie et de la mort. Alors, merci par avance à Erwan Lehomme-Redek d'avoir accepté de nous partager ses réflexions. Merci à Gwenaëlle Beauvois, Yvonne Belloc, Marie-Thérèse Fribaud, Sœur Edith Fouché et Rodolphe Moquet qui nous donneront leurs témoignages, qui viendront faire écho à la communication d'Erwan Lehomme-Redek. Merci à vous tous et puis bonne soirée. Merci beaucoup, Monseigneur Perceroux. Eh bien, je vous propose que l'on se tourne à présent vers Erwan Lehomme-Redek. On va faire un premier essai de liaison pour voir si tout se passe bien. Bonsoir, Erwan, comment allez-vous? Bonsoir Simon, je vais très bien. Eh bien, on voit qu'on vous entend parfaitement, vous nous entendez aussi. Je vous laisse donc la parole, c'est à vous. Bien, je vous remercie. Je vous remercie de m'inviter. Je regrette de ne pas être à Nantes pour faire la connaissance de chacun directement. Ça me prive aussi des langoustines du professeur Moreau et je le regrette amèrement. Je vais essayer de vous parler de ce sujet qui effectivement est un sujet extrêmement humain, complexe, sensible, douloureux pour certains. J'espère le faire avec la délicatesse que vous êtes en droit d'attendre. Comme vous le comprendrez, je suis engagé dans ce débat, ce qui
peut me conduire à m'emballer. Donc j'espère que ça ne se produira pas trop et que je resterai conforme à ce que vous pouvez souhaiter entendre. C'est un sujet sur lequel effectivement on vient avec son histoire, avec souvent ses deuils, parfois avec même le deuil de nos propres parents qui peut remonter à des années. C'est un sujet sur lequel il y a des crispations compte tenu des enjeux, mais je pense qu'il n'est pas inutile de se dire en début de soirée et d'intervention que malgré tout, la quasi-totalité, je pense, des intervenants, quelle que soit leur position, sont animés par un sentiment de compassion, compassion naturelle que l'on ressent quand on se retrouve face à une personne qui est dans l'ultime temps de sa vie et qui parfois souffre fortement. Mais c'est un sentiment qui ne peut pas suffire à nous. Excusez-moi, j'entends des appareils qui me parlent en même temps. Oui, c'est un sentiment qui ne peut pas suffire à nous guider dans ce débat, et notamment parce que, pour être franc, j'ai rencontré cette invocation explicite ou implicite de la compassion en plusieurs reprises sans être toujours bien convaincu. Je l'ai rencontré une fois dans un échange qui m'a surpris, enfin, qui est un échange qui a été tenu entre un jeune homme français, enfin, qui a contacté Claire Fourcade qui est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, juste après le débat parlementaire donc du 8 avril 2021, parce qu'il voulait discuter avec elle de la possibilité de réaliser un reportage sur la mort de son père. Il trouvait que on ne traitait pas bien le sujet et que ils étaient parvenus en famille à procurer à son père la meilleure mort possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet homme était atteint d'un cancer du pancréas. Et à un moment donné, l'épouse, le médecin, le fils se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il décède avant de souffrir terriblement. Et donc ils se sont mis d'accord pour lui apporter une perfusion, lui dire que c'était une chimiothérapie. Et donc ils sont venus, ils ont présenté la perfusion au père. Le père a regardé, il a dit: Ah, formidable. Ils lui ont fait passer la perfusion. Et il en est mort. Le fils qui réalise ce geste, qui peut sembler horrible, qu'il l'est, le fils n'est pas un monstre. Il est persuadé effectivement d'avoir apporté une bonne mort à son père, la meilleure mort qui soit, parce que c'est une mort qu'il n'a pas vue venir, ce qui correspond pour lui à la meilleure définition de la mort. Alors dans la discussion, Claire Fourcade lui a un peu fait comprendre involontairement, mais que en soins palliatifs, on ne mentait jamais aux patients, et qu'en l'occurrence, il a compris que sa meilleure mort était peut-être pas la meilleure mort qui soit quand effectivement, d'un certain côté, on la vole à la personne. Il lui a fait comprendre aussi, ça je le dis de façon un peu accessoire, mais que les souffrances insupportables ne sont pas une fatalité, même pour un cancer du pancréas, et qu'il est possible, bien entouré, bien pris en charge, de mourir sans ces souffrances insupportables. Mais à vrai dire, cet homme-là, il faisait déjà preuve d'une certaine compassion. C'est l'un des premiers points, le premier cas dont je voulais parler, mais il y en a eu un autre qui m'a frappé. Autant dans le ton de mon intervenant, enfin c'était mon contradicteur, je dirais, puisqu'on était dans un débat sur RCF il y a à peu près un an, que dans ce qu'elle a dit. C'est Corinne Van Oost. Corinne Van Oost, si certains la connaissent, a écrit un livre qui s'appelle Moi, médecin catholique, je pratique des euthanasies.
Et je me suis retrouvé en débat avec elle. Au bout d'un moment, je commençais à trouver que les enchaînements de paroles étaient un petit peu trop lisses, qu'elle nous présentait une vision un petit peu irénique de la situation en Belgique. Et donc, j'ai voulu l'interroger sur une situation que je connaissais et dont je savais qu'elle y participait. Je l'ai interrogé sur le fait que l'on pratique en Belgique des euthanasies pour DMLA. Pour ceux qui ne le savent pas, la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire une perte de la vue partielle, voire totale, mais qui n'engage pas le pronostic vital. Et je l'ai interpellée là-dessus. Je ne savais pas trop ce qu'elle allait me répondre et je voulais en fait vous faire écouter directement la réponse qu'elle m'a faite, plutôt que de vous la retranscrire. Voilà, je voudrais vous faire passer le son de cette réponse. La seule solution. La seule solution pour elle, moi j'ai vu une dame comme ça, la seule solution, c'est d'aller en maison de repos. Et elle me dit, mais je vais aller en maison de repos, mais je ne vois plus rien, donc comment est-ce que je vais vivre? Je ne vais plus savoir rien faire. Donc voilà, j'ai chuté 3-4 fois. À chaque fois, j'ai échappé à la fracture. La dernière fois, j'ai eu une fracture, donc maintenant ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai plus de 90 ans, oui, effectivement, je ne vois plus rien. Donc c'est un ensemble de pathologies, et c'est une souffrance surtout qui fait ça. Donc ce qu'on a comme proposition, c'est quoi? C'est de les mettre en maison de repos, alors que quand elles ne voient plus rien, vous voyez un peu la situation dans laquelle elles vont se trouver. Donc la seule solution pour elle, moi j'ai vu une dame comme ça, la seule solution, c'est d'aller en maison de repos. Et elle me dit, mais je vais aller en maison de repos, mais... Voilà, donc vous l'entendez à son ton, vous voyez qu'elle est touchée par la situation de cette personne. J'espère qu'on a entendu ce que je disais au début. Mais à la réalité, voilà, quelles sont les solutions, quelles sont les propositions de notre société, en l'occurrence pour une personne qui est terrifiée à l'idée d'aller en maison de retraite, la seule solution qu'on ait pour Corinne Van Oost, c'est d'euthanasier la personne. Et cette personne de 90 ans a été euthanasiée par Corinne Van Oost. Il me semble que la compassion naturelle, celle qui devrait nous animer, ce qui devrait nous entraîner notre réaction viscérale, c'est nous dire qu'il est insupportable que l'on puisse être terrifié à ce point à l'idée d'aller dans une maison de repos. Mais pour ce qui est de donner la mort à la personne, évidemment, ce n'est pas la réaction de compassion que j'attends, même si, comme vous l'entendez, eh bien, Corinne Van Oost n'agit pas par motif égoïste, mais pense agir au nom de la compassion. Alors, à vrai dire, la compassion, je l'ai rencontrée aussi dans d'autres lieux, fort heureusement, d'autres illustrations de la compassion. Et je me souviens avoir été vraiment touché par une réunion de transmission quand vous êtes en soins palliatifs. Donc j'étais allé à Gardanne, c'est dans un établissement très de référence qui s'appelle La Maison, qui est un établissement qui a été créé au début des années SIDA. Vous avez dans les réunions de transmission, vous avez une transmission pluridisciplinaire, donc tout le monde est là, l'aide-soignant, le kiné, le psychologue, le médecin, les infirmières. Moi, j'étais à côté d'une infirmière qui rapportait une situation qui l'avait choquée, c'est-à-dire qu'une patiente avait giflé son père devant les infirmières. C'est à la rigueur pour quelqu'un d'extérieur, quelque chose qui peut arriver dans une famille, évidemment, on préfère que ça n'arrive pas, mais ça n'est pas impossible. Et bien pourtant, ça a occupé une bonne partie de la réunion. Et l'infirmière à côté de moi me disait, enfin nous disait, cet homme-là, quand je le vois arriver, c'est un homme qui, il a le visage rouge, on sent qu'il a pleuré toute la nuit, il y a une vraie tristesse chez cet homme. Et la question de la tristesse de cet homme a occupé une grande partie de la réunion. Et moi, à un moment donné, pour les provoquer, j'ai fait exprès d'employer un vocabulaire inadapté, mais pour les provoquer, je leur dis, mais ça fait
20 minutes que vous parlez du père de la patiente, mais votre cliente, c'est pas lui, c'est elle. Et j'ai un infirmier en face de moi qui s'est un peu relevé, un peu crispé, qui m'a dit, mais oui, mais nous sommes humains. Et en fait, voilà, on agit dans ce cas-là au-delà d'une simple compétence technique. Et dans les soins palliatifs, en fait, il y a une prise en compte non seulement du patient, mais des proches dans leur intégralité. Donc voilà, je voulais juste, pour introduire un peu mon propos, souligner que il faut être vigilant sur la réaction que peut susciter notre élan naturel de compassion. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais je me suis retrouvé dans une situation où j'ai bien compris que la compassion pouvait nous amener à faire à commettre des gestes que, par ailleurs, je n'approuve pas. Et donc, il est indispensable d'introduire autre chose que notre émotion, notre compassion, pour avancer dans ce sujet. Erwan, pourquoi s'opposer au fond à ces demandes d'euthanasie ou en tout cas de suicide assisté si c'est réellement la volonté de la personne? Est-ce que les partisans de l'euthanasie mettent très souvent en avant les questions de liberté? Est-ce qu'on ne peut pas, à vos yeux, reconnaître justement cette question de la liberté? La question de la liberté, elle a effectivement pris le pas à la question de la simple dignité qui était mise en avant comme argument depuis longtemps. Et c'est effectivement l'argument central. Moi, c'est un argument qui ne me satisfait pas. Et je pense tout d'abord parce que envisager la question sous l'angle de la liberté, c'est déjà mal placer le débat. La question essentielle quand vous vous retrouvez face à des patients, et on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais il se trouve que depuis 9 mois, je suis bénévole en soins palliatifs, et donc une fois par semaine, je rencontre des patients. Quand vous vous retrouvez face à des patients, ce n'est pas leur liberté qui vous saute aux yeux. Évidemment, ils gardent la possibilité d'exprimer une volonté, et c'est heureux. Mais ce qui vous saute aux yeux, c'est leur vulnérabilité, c'est leur extrême vulnérabilité. Déjà, quand vous rentrez dans une chambre, le seul fait d'être debout face à un patient qui est allongé dans un lit vous donne une supériorité. Donc, quand on est à hauteur de malade, la réalité, c'est cette vulnérabilité-là. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans le débat législatif, on se dit que l'on veut quelque part libérer les patients, leur donner plus de possibilités. Et on se pose assez peu la question de les protéger. On nous dit même à la rigueur que considérer qu'ils soient vulnérables, ce soit du paternalisme, alors qu'on a dans notre droit des situations dans lesquelles on reconnaît tout à fait la vulnérabilité de la personne. En droit du travail, on protège l'employé. Le salarié ne peut pas consentir à n'importe quoi, ne peut pas s'engager à n'importe quoi. La loi lui pose des limites pour son bien et pour le bien des autres salariés. En droit de la consommation, on considère qu'il y a des personnes qui sont présumées vulnérables et on les protège contre ce qu'elles pourraient accepter. Et ce faisant, on protège aussi les autres. Alors je suis un peu surpris qu'on n'envisage pas les choses sous cet angle-là quand il s'agit de parler de la vie et de la mort. Il faut quand même avoir conscience du fait que la demande d'euthanasie, elle peut certes émaner de personnes fortes, enfin d'un caractère fort, personnes déterminées. J'ai rencontré une personne comme ça. Donc je néglige pas du tout que ça puisse être l'expression d'une volonté réitérée. Mais la réalité, c'est que la demande d'euthanasie, elle va aussi venir de la part de personnes qui exprimeront ce choix sans qu'à mon sens ce soit une liberté. C'est par exemple le cas de la personne qui va demander l'euthanasie pour ne déranger personne. Et ça, ce n'est pas un cas d'école, ce n'est pas une théorie, enfin, c'est une situation qui s'est présentée au Québec. C'est une jeune femme qui a témoigné sur Facebook de l'euthanasie de sa grand-mère, qui a témoigné avoir été prévenue un jeudi matin à 11 h du matin que sa grand-mère avait été euthanasiée. Et je l'ai contactée
pour avoir un échange direct, pour qu'elle me confirme ce qui s'était produit. Et donc, en fait, sa grand-mère a été euthanasiée et quelque temps après, ils ont reçu une carte, comme une carte de condoléances, et d'une amie de la maison de retraite. Et cette amie avait écrit, ça lui ressemble tellement, elle ne voulait jamais déranger personne. Et ne pas être un fardeau, ne déranger personne, il se trouve que ça peut être un motif de demande d'euthanasie. Est-ce que c'est vraiment une liberté quand on veut partir pour ne déranger personne? Pour moi, l'euthanasie, ça risque d'être un choix pour les forts, mais pour les faibles, une vraie menace. Parce que, enfin, faut être clair, on est quand même l'objet. Il y a cette phrase que j'ai entendue dernièrement, je crois que c'est Claire Fourcade qui la citait, et de mémoire, je crois que c'est le pasteur Bonhoeffer qui le disait. Cette phrase qui dit « Nul n'est une île ». Et c'est un fait, nous ne sommes pas des îles. Le pape François, lui, il dit, nous ne sommes pas des monades isolées les unes des autres, et c'est la réalité. On baigne dans des influences multiples. On a d'abord l'influence de notre culture, dont globalement les valeurs dominantes sont à l'opposé de ce que l'on peut attendre en fin de vie. C'est une culture de l'efficacité, une culture de la maîtrise, de l'activité, de la performance, de la jeunesse, de l'autonomie, tout ça, c'est pas ce que vous vivez en fin de vie. Donc vous êtes à la fin de votre vie en contradiction avec les valeurs dominantes de la société. Vous êtes aussi sous l'influence des médecins. Et ça, avec toute l'amitié que j'ai pour les médecins de soins palliatifs, et à vrai dire, ils en sont tout à fait conscients, c'est eux qui me l'ont souligné, même quand vous ne le souhaitez pas, quand ça n'est pas délibéré, un médecin influence son patient. Je me suis retrouvé une fois dans une réunion avec des soignants de soins palliatifs où on discutait de ce débat. Et puis, en fait, de la liberté du patient vis-à-vis du médecin. Et à un moment donné, une médecin c'est un peu irritée, on va dire, et a dit, mais à un moment donné, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Au bout du compte, on sait bien comment ça se passe. C'est toujours la même chose. Le patient, il vous regarde et il vous demande, et vous, docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et ça, on l'a expérimenté, je pense, vous et moi, tout le monde, pour des opérations un petit peu délicate, beaucoup moins grave que de savoir si on va demander l'euthanasie ou pas. Mais il suffit que voilà, vous vouliez vous faire opérer de la hanche, du genou, du pied. Et quand c'est compliqué de savoir si vous le souhaitez ou pas, enfin si il faut le faire ou pas, compte tenu des risques, qui d'entre nous ne l'a pas dit ou ne connaît pas quelqu'un qui a dit, vous docteur, vous feriez quoi à ma place? Et là, quand vous vous mettez dans la position d'un patient allongé sur son lit d'hôpital en fin de vie, qui se pose la question de l'utilité de sa vie, même si c'est terrible de le dire en ces termes, et qui dit au médecin, et vous feriez quoi à ma place? Il suffit qu'il y ait un nuage dans le regard du médecin, il suffit qu'il y ait une hésitation, et c'est déjà une influence. C'est l'influence, vous avez aussi tout simplement l'influence du questionnement lui-même. C'est assez terrible d'imaginer ce questionnement vertigineux qui va être ou qui pourrait être celui des patients. Vous êtes souffrant, vous êtes isolé, parfois vous êtes précaire. Là où je vais en unité de soins palliatifs, j'ai accompagné une femme qui était SDF avec toute sa vie dans ses sacs au pied de son lit. Elle était toute seule, isolée. Vous faites une insomnie pendant la nuit et à 4 heures du matin, vous posez la question de savoir si vous allez devoir demander la mort le lendemain à l'équipe soignante, puis vous la redemandez dans la matinée et puis dans l'après-midi. Et personne ne devrait jamais avoir à se poser une question de ce genre. Mais c'est déjà une influence. Quand on vous dit que c'est une loi qui n'enlèvera rien à personne, ça va déjà enlever une certaine tranquillité d'esprit, si on peut parler de tranquillité d'esprit dans ces situations. Mais tout de même, donc c'est déjà important. Et puis, dernière influence dont je voulais vous parler, c'est aussi l'influence des proches, même bienveillants. Je vous ai déjà parlé de la situation de ce jeune homme qui a fait pratiquer une euthanasie
d'ailleurs dans des conditions qui seraient illégales dans tous les, dans les pays qui ont même légalisé l'euthanasie. Mais un médecin de Bordeaux m'avait aussi rapporté une situation troublante dans laquelle il avait été appelé au titre de l'équipe mobile de soins palliatifs, donc pour aller dans d'autres services apporter son expertise. Et on l'avait appelé pour venir au chevet d'un homme qui est diabétique, qui était diabétique, un homme de 80 ans avec une démence légère, et se poser la question d'arrêter ses dialyses. Ce que j'ai appris, parce qu'évidemment je ne suis pas médecin, j'ai appris que arrêter la dialyse dans ces situations-là, ça signifie le décès de la personne dans les 3 ou 4 jours. Et donc il est arrivé en salle de soins, il a écouté un peu les échanges, s'est agacé un peu de sentir qu'on voulait simplement qu'il mette un peu le tampon approuvé par les soins palliatifs. Et donc à un moment donné, il leur a dit de toute façon, je me prononcerai évidemment pas sans avoir rencontré le patient, donc je vais aller rencontrer le patient. Et il quitte cette salle où il y avait l'épouse, les enfants et les médecins. Il arrive dans la chambre de ce patient qui se lève, qui vient vers lui, qui lui tend la main et qui lui dit dans la conversation, Docteur, aujourd'hui, je suis heureux. Et le médecin qui arrivait avec le poids de ce qu'il avait entendu lui dit, Mais pourquoi vous êtes heureux spécialement aujourd'hui? Et l'homme lui dit, Ben regardez, ils sont tous là. Lui ne savait pas qu'ils étaient tous là pour décider de sa mort. Et donc il retourne en salle des soins et il continue d'écouter. Là, il y a un fils qui s'énerve un petit peu en disant, Mais je ne comprends pas pourquoi on se pose cette question maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cette. On ne se l'est pas posé il y a 6 mois. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas cette question dans 3 mois? Qu'est-ce qui fait qu'on doit se poser cette question aujourd'hui alors que l'état de mon père est stable? Et là, un autre membre de la famille lui dit, Mais tu vois pas que ta mère est épuisée? Et voilà, la réalité de cette demande. C'était l'état d'épuisement de l'épouse. Un état d'épuisement qui est compréhensible, elle avait le même âge, devait faire plusieurs allers-retours à l'hôpital pour que son mari reçoive ses dialyses. Elle n'habitait pas Bordeaux, donc c'était des trajets en voiture, c'était effectivement très certainement fatigant. Et il aurait fallu que le système de santé prenne soin d'elle aussi. Mais au final, l'épuisement d'un conjoint ne doit pas, ne peut pas être un motif pour mettre un terme à la vie d'une personne. En l'occurrence, il leur a dit qu'ils se refusaient à avaliser leur décision, quelle que soit la décision qu'ils prendraient, s'il le fallait, il apporterait des soins palliatifs à cet homme-là. Et il a reçu cet homme 3 jours plus tard dans son service et il est décédé 3 jours après. Là encore, ça n'est pas toujours aussi frontal, mais l'influence des proches, même simplement dans la perception que le patient peut avoir de lui-même, n'est pas impossible. Donc on se retrouve effectivement soumis à des facteurs d'influence multiples, ce qui fait que pour moi, parler avant tout de liberté dans ce débat, c'est avoir une vision vraiment désincarnée de la fin de vie et ça ne peut pas me satisfaire. On a des moyens de pouvoir se dire qu'on peut mettre en place des garde-fous et éviter ces influences et qu'elles n'emportent un petit peu le pas sur la vie du patient. Est-ce que là-dessus, le modèle belge n'est pas aussi, malgré tout, une illustration de quelque chose qui marche pas trop mal? Alors pour moi, c'est un anti-modèle, le modèle belge. C'est vrai que quand on parle de ces influences, on vous dit eh ben, on va pouvoir encadrer, mais l'encadrement à la belge, qui est un peu ce que l'on veut, sous réserve de tous les travaux et multiples commissions qui sont en train de travailler à ce sujet aujourd'hui, mais tout ce qui a été sur la table aujourd'hui est un décalque du modèle belge. Sauf que ce modèle belge, déjà pour le visualiser, enfin pour le comprendre, parce que
on nous parle tout le temps de malades de la SLA, donc la maladie de Charcot. Il faut voir que dans le système belge, statistiquement, ce sont des statistiques officielles de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, vous pouvez les retrouver en ligne. Statistiquement, l'euthanasie est pratiquée à 70% sur des personnes de plus de 70 ans. Donc, l'essentiel des j'allais dire candidats au suicide ou candidats à l'euthanasie, l'expression est vilaine, mais vous me la pardonnerez, j'espère, l'essentiel sont des personnes d'un certain âge, voire du grand âge. C'est aussi une euthanasie qui a été élargie dans ses critères aux polypathologies. Parce que normalement, l'euthanasie ne devait être appliquée qu'à une pathologie grave et incurable. Et puis, ils ont fini par élargir pour faire entrer donc, ces polypathologies. Ce qui signifie que quand vous vous retrouvez avec une baisse ou une perte de la vision, une arthrite sévère, de l'incontinence, eh bien, vous rentrez dans les critères pour bénéficier d'une euthanasie, parce que c'est une polypathologie. Alors ça, c'est quand même un peu le tableau, malheureusement, du grand âge. C'est une euthanasie aussi qui a été ouverte pour souffrance physique ou psychique. Et quand on regarde les statistiques et les documents, les rapports officiels de cette commission, vous voyez bien dans les graphiques qu'ils produisent qu'il y a une case pour les euthanasies pour troubles de l'humeur, comme ils le disent. Troubles de l'humeur, c'est-à-dire dépression, autisme, troubles bipolaires, schizophrénie. Donc vous voyez déjà jusqu'où l'on va. Et là, j'aurais voulu aussi introduire une vidéo, si elle peut être passée. C'est un échange que j'ai eu avec un gériatre belge. On la regarde. Oui, je dirais trois fois oui. Il y a une pente glissante et on est dessus. En 1955, personne aux Pays-Bas n'obtenait l'euthanasie. Ce n'était simplement pas une option. En 2021, 7000 personnes ont obtenu une euthanasie. Et je peux vous dire que les catégories qui pouvaient en profiter les premières années étaient seulement des personnes en fin de vie. Et puis, on a ouvert le droit aux malades chroniques, aux patients psychiatriques, aux personnes âgées avec une accumulation de pathologies. On va toujours ajouter de nouvelles catégories. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Écoutez-moi. Voilà, je voulais vous passer cet échange parce que quand on parle des dérives, on nous accuse de mentir. Quand on parle on nous dit que c'est l'argument de la pente glissante. Or là, vous avez quelqu'un qui est un praticien. C'est un homme qui est gériatre, qui pratique des euthanasies depuis 14 ans en Hollande. Et lui-même vous dit très tranquillement, comme vous l'entendez, de façon très affirmative, qu'on va toujours ajouter de nouvelles catégories. Ça s'est produit dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Et je pense que ça n'est pas un hasard. C'est que l'euthanasie, la logique qui prédomine, qui va avec la question de liberté dont on parlait, c'est une éthique d'autodétermination. Et cette éthique d'autodétermination, finalement, elle emporte tout sur son passage, parce qu'elle exclut par principe le regard extérieur de la situation. Seul le patient est fondé à évaluer sa situation. Et donc, il n'y a plus de critères de la société qui puisse tenir. Alors, juridiquement, en Belgique, on a voulu encadrer. Je suis tombé là, ces derniers jours sur un article dans Esprit qui nous explique à quel point tout est merveilleux et strictement encadré. Comme juriste, je suis assez bien placé pour savoir qu'il ne suffit pas de se reporter à un contrat, à des statuts ou à la loi pour savoir comment les choses se déroulent. Parce qu'effectivement, oui, vous avez des conditions dans la loi. Mais concrètement, ce qui se produit, c'est que vous avez déjà un contrôle qui est un contrôle a posteriori.
Un contrôle a posteriori, que ce soit sur la peine de mort ou sur l'euthanasie, c'est toujours problématique quand une erreur a été commise. C'est un contrôle qui se fait sur déclaration. Et on sait déjà qu'entre 25 et 50% des euthanasies ne sont pas déclarées. Ensuite, on sait aussi, certains médecins l'ont dit, qu'il faudrait être stupide pour faire une déclaration qui vous auto-incrimine. Donc, si vous n'avez pas respecté les conditions, vous n'allez pas le mettre dans la déclaration. Et puis, vous avez eu un échange, une déclaration sidérante qui a été faite par le président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie dans une émission française, complément d'enquête, en 2014, où on lui a dit, mais vous voyez bien qu'il y a des inquiétudes sur les cas, enfin des inquiétudes des opposants sur des cas douteux. Et ce monsieur, Wim Distelmans, répond, je le cite, écoutez, on ne contrôle que ce qui est déclaré, les cas douteux, forcément, ils ne sont pas déclarés, donc on ne les contrôle pas. Donc c'est une commission qui, au final, contrôle ce qu'on lui déclare, contrôle ce qui va bien, contrôle pas les cas douteux, et en déduit que tout va bien. Donc voilà, je vous le fais court parce que je pourrais en parler plus longuement, mais non, le système belge ne va pas bien. La culture belge est très consensuelle et a tendance à ne pas mettre en avant les difficultés, mais enfin, quand vous entendez le cas qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un cas d'euthanasie sur une personne atteinte de dépression, rien que cela. Cela signifie qu'on euthanasie des gens dont le pronostic vital n'est pas engagé. Quand vous entendez le cas de cette jeune bruxelloise qui souffrait de dépression, qui a été victime des attentats de Bruxelles et qui a été euthanasiée il y a moins d'un an, à 23 ans, alors qu'elle était dépressive et que les psychiatres vous disent qu'on ne peut jamais dire qu'on est allé au bout des traitements et au bout de ce qu'on peut faire pour une dépression, on ne peut pas dire que ce soit un système qui va bien. Donc voilà, pour reprendre ce que je voulais dire, de cette liberté qui est un peu illusoire, je ne pense pas qu'il y ait un encadrement véritable qui soit possible. Pour autant, Erwan Lemoredec, au milieu de tout ça, et là le tableau quand même est plutôt noir pour l'instant, il y a quand même des jolies choses qui peuvent s'en dégager, que vous avez pu voir notamment dans les soins de services palliatifs, de la tendresse, de l'attention, des vrais techniciens aussi. Oui, et ça, je voulais aussi pouvoir en parler, parce que souvent, quand on a un débat médiatique, on vous annonce un débat sur la fin de vie, et puis finalement, on ne débat que de l'euthanasie. Vous avez montré un très bel ouvrage, je vous en remercie, et le sous-titre que j'ai choisi avait vocation à rappeler justement ces soins palliatifs. Avant d'éteindre la lumière, c'est à la fois l'expression que peuvent employer des personnes qui évoquent la fin de vie ou qui affirment vouloir mourir et qui disent « je vais éteindre la lumière moi-même ». Mais cette lumière, pour moi, c'est surtout la lumière des soins palliatifs. J'ai été extrêmement touché de constater, pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas habituellement dans le monde du soin, qu'il y a dans notre pays des personnes dont le rôle, la vocation, le métier tous les jours, c'est de prendre soin des autres. En soins palliatifs, moi j'ai découvert, je pense, la plus belle alliance que j'ai rencontrée entre l'humanité et la technique. C'est une médecine humble, qui est loin des accusations de toute puissance médicale. C'est une médecine qui est faite par des soignants qui ont accepté de ne pas pouvoir guérir. Ils savent que c'est pas ça qu'ils parviendront à faire. Ce qu'ils espèrent arriver à obtenir, c'est que le décès se passe de la façon la plus paisible possible. Comme ils le disent souvent, les soins palliatifs, c'est la paix des survivants. Il faut l'espérer, la paix de la personne qui va mourir, mais c'est aussi le souci de permettre un deuil le plus acceptable, le plus vivable possible. J'ai été sensibilisé par les personnes de soins palliatifs sur le fait que ça n'est pas que de la chaleur humaine, même si c'est magnifique de voir cette chaleur humaine. C'est aussi
de la technique. Et moi, j'ai découvert tout ce qui pouvait se... Enfin, tout, non, mais un certain nombre de choses qui se pratiquent en soins palliatifs, comme l'usage des sédations. Alors, on parle beaucoup de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. On pourra en reparler éventuellement. Mais on pratique aussi des sédations temporaires dont j'ignorais l'existence. C'est-à-dire que vous pouvez sédater une personne à sa demande, en coordination avec lui, pour qu'il soit, pour préserver sa conscience à certaines heures de la journée. En particulier, ce sera évidemment au moment des visites. Mais s'assurer d'une part qu'il dorme, s'assurer qu'il sera donc sédaté pendant la plupart de la journée, d'une part pour lui permettre de ne pas souffrir pendant ce temps-là, et puis aussi pour permettre de casser la mécanique de la douleur, qui est un petit peu comme si on empilait des strates. Eh bien, quand vous sédatez la personne, vous cassez un peu cet enchaînement. J'ignorais l'existence de ça. Et ce que l'on sait, ce que l'on doit dire, c'est que lorsque vous avez une bonne prise en charge en soins palliatifs, la demande d'euthanasie, elle disparaît dans la quasi-totalité des cas. Et quand je dis quasi-totalité, c'est presque, enfin, c'est vraiment, le quasi est tout petit. Il y a une étude qui a été faite sur 2100 patients à la maison médicale Jeanne Garnier, dont il est ressorti que 60 avaient demandé l'euthanasie et que 6 seulement l'ont maintenue. Donc, dans 99 7% des cas, après prise en charge en soins palliatifs, la demande disparaissait. Moi, je peux témoigner de l'ambivalence, ce dont les soignants parlent beaucoup, l'ambivalence des demandes qui se produisent et qui justifient le temps passé auprès des patients, le temps à les écouter, à mettre en place tout ce que les soins palliatifs mettent en place de tout ce qu'ils ont imaginé, ça va de la balnéothérapie jusqu'à des applications musicales qui permettent de soulager le patient, à de l'aromathérapie, à de l'art-thérapie. Parce que, évidemment, c'est fréquent que des patients disent qu'ils souhaitent mourir. Moi, je me suis retrouvé dans une chambre avec une patiente que je commençais à connaître un petit peu, puisqu'elle était là depuis quelque temps. Qui m'a accueilli en me disant qu'elle n'avait plus rien à faire dans ce monde-là, en me demandant, en me disant allez chercher les médecins, il faut qu'ils me fassent une piqûre. Et elle était déjà dans enfin, ce qu'ils appellent un hamac, donc c'est ce qui permettait de la transporter facilement. On l'a mise dans un fauteuil roulant. Je suis sorti dans le jardin de l'unité et on s'est promené ensemble. Par bonheur, les jardiniers avaient mis des panneaux sur les arbres, ce qui me permettait de répondre à ces questions sur les essences d'arbres qui étaient là. Donc on a regardé les peupliers, les cerisiers du Japon. Et cette dame qui demandait à mourir, ben, elle me dit, vous accomplissez une mitzvah, parce qu'elle était juive, Elohim vous le rendra. Puis elle, c'est formidable, c'est formidable. Puis quand on est revenu, on est passé devant la salle des soins. Les soignants étaient en réunion. Elle leur a fait un petit signe de la main. Bon, c'est pas toujours aussi simple, évidemment. Là, je ne fais que vous parler de ce dont moi je peux témoigner. Mais il est évident que on peut pas en rester à la demande formelle, à la demande énoncée de prime abord. Les soignants vous témoignent de ces situations dans lesquelles le patient demande à la fois l'euthanasie et qu'on n'oublie pas les vitamines dans leur petit déjeuner. Claire Fourcade parle d'un échange qu'elle avait eu avec une patiente qui demandait l'euthanasie et le vaccin contre le Covid. Donc il faut être capable d'entendre tout cela et de préserver ce qu'il y a à préserver pour le patient pour la fin de sa vie. J'espère, je regarde sur le côté, je regarde ma montre. Dites-moi si je commence déjà à être trop long. On est très bien, mais justement, vous considérez que c'est tout ça que cette législation sur l'euthanasie pourrait menacer, Erwan, ces moments un petit peu de magie hors du temps qui peuvent se dégager et qui montrent
que les personnes sont toujours là? Ben oui, parce que c'est effectivement un moment qui est une épreuve pour tout le monde. Une épreuve, franchement, effectivement, tout simplement, je vous dirais, la personne dont je parlais, qui a exprimé une demande ferme. Je me suis retrouvé 45 minutes dans la chambre de cette personne, à l'écouter, à n'avoir rien à dire, rien à faire. Pouvez pas juste, enfin, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que dans sa situation, ça va aller mieux. Je ne vous détaille pas tout, mais elle était totalement isolée, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit parce qu'elle manquait d'oxygène, elle s'asphyxie au moindre mouvement. Ben, outre le fait que vous sortez un peu bousculé, votre réaction naturelle, c'est de vous dire qu'il faut faire quelque chose pour cette dame. Faire quelque chose, ça va être quoi? Demain, ça risque d'être l'euthanasie et on aura le sentiment d'avoir répondu à sa demande. Pour moi, je n'ai pas de solution directe à donner de ce que l'on aurait pu faire pour elle, mais ce que font les soins palliatifs, c'est notamment faire preuve d'une inventivité qui est, à la rigueur, préservée par l'interdit. J'étais allé, la première fois que je suis allé dans une unité de soins palliatifs, c'était à Puteaux. J'avais rencontré Ségolène Perrucchio, qui est toujours chef de service là-bas, et elle me parlait d'un patient atteint de la SLA. Donc, je crois que tout le monde a entendu parler de la maladie de Charcot. La SLA, c'est, je crois, synonyme, enfin, en tout cas, au minimum très très proche. Et ce patient était arrivé avec une demande d'euthanasie, avec un neurologue qui disait il faut faire quelque chose pour lui, un médecin généraliste qui disait il faut faire quelque chose pour lui, personne ne disant ce que ce quelque chose signifiait, ni ne le faisant. L'épouse demandait aussi que l'on fasse ça pour son mari. Et Ségolène Perrucchio, là, elle me dit, si j'avais pas eu la loi sur laquelle m'adosser pour renoncer, j'aurais pas pu imaginer et faire ce qu'elle a fait ensuite. C'est-à-dire que elle le dit, elle est sortie de tous les protocoles pour proposer d'abord demander aux patients quelles étaient ses angoisses et qu'est-ce qui l'angoissait le plus. Comme souvent, ce qui l'angoissait le plus, c'était de s'asphyxier. Et donc, elle a fourni à l'épouse une seringue prédosée de midazolam. C'est une molécule qu'ils utilisent beaucoup en soins palliatifs, qui a notamment comme propriété ou vertu de permettre de soulager l'appareil respiratoire de façon enfin, extrêmement rapide. Et elle lui a fourni cette seringue prédosée, elle lui pulvérisait dans le nez si il s'asphyxiait. Pendant 18 mois, l'épouse est venue chaque mois se faire renouveler cette seringue de midazolam. Et un jour, elle lui a demandé comment allait son mari, comment ça se passait. Il lui a pas dit qu'il allait bien. Hein. La maladie de Charcot, ça n'évolue pas bien. Mais elle lui a dit, il est bien. Et ils ont eu 18 mois de vie commune. Lui a eu 18 mois de vie. Eux, 18 mois de vie commune. Et je vois pas au nom de quoi on pourrait se dire que ces 18 mois ne valaient pas la peine d'être vécus et ne valaient rien. Or, demain, si vous légalisez l'euthanasie, Ségolène Perrucchio, dans une situation comme ça, n'aurait pas pu dire non. Je mets de côté le débat sur la clause de conscience, mais un soignant ne pourra pas dire non. Et même si j'entends bien qu'on nous dit, moi, j'ai pas envie d'être un cobaye, mais on bénéficie aujourd'hui de tout ce que les soins palliatifs ont créé, ont inventé pendant toutes ces années où ils ne pouvaient pas utiliser la solution facile de l'injection létale. Donc c'est effectivement important de pouvoir préserver ça, de pouvoir le préserver aussi parce que il y a cette période qui est une période, les soignants vous parlent un peu d'une période mystérieuse de la fin de vie. Je veux pas enjoliver, tout le monde a connu aussi des agonies difficiles, enfin connu auprès de ses proches, mais il y a aussi des situations qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir, et dans lesquelles se produit, c'est le psychologue Michel de Muzan qui parle du travail du trépas,
Un moment où, enfin, c'était Marie de Henzel qui me le décryptait comme ça, dans ce terme de psychanalyste, elle disait c'est le moment où le soi prend le pas sur le moi, c'est-à-dire un moment où vous n'êtes plus dans la maîtrise. Et je reprends avec Michel de Muson, lui disait que ce travail du trépas autorise, et je le cite, une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Façon de dire qu'en fait, on est mis au monde, mais on ne se met au monde qu'à ce terme-là, d'une façon qui n'est pas prévisible. Et vous avez aussi des témoignages de situations dans lesquelles s'est produit des choses mystérieuses, comme un patient qui décède après qu'un proche soit arrivé, qu'un ami soit venu. Qu'on n'attendait pas, des situations dans lesquelles un pardon a pu être donné, et parfois ce ne sera pas avec des grands mots, je ne veux pas développer trop longuement, parce que je pourrais en parler il y a des heures, mais une infirmière m'avait rapporté cette situation où, dans une famille de taiseux, très revendicative, qu'ils avaient réussi un peu à apaiser, elle avait retrouvé le fils de famille plus tard, qui lui avait dit... C'est passé quelque chose, je vous remercie de ne pas avoir cédé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais entre mon père et moi, il y a eu une forme de transmission. Et parfois, les proches croient devoir se battre pour faire prévaloir les conceptions du patient. Certains auront dit, moi, je ne vais jamais finir dans ces conditions-là. Si je devais être comme ça, je préfère qu'on bute, etc. Et donc certains revendiquent, par fidélité à leurs proches, revendiquent l'euthanasie. Et puis quand elle n'est pas pratiquée, vivent quelque chose qu'ils n'auraient jamais anticipé. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ce que je voulais aussi... rapidement, dire, avant qu'on conclue. Je vais conclure. Donc, d'une part, ce que je voudrais dire, c'est que ce que ça risque de mettre en péril, c'est les soins palliatifs en eux-mêmes. Les mettre en péril parce qu'on risque de faire souffrir les soignants. Ceux qui pratiquent des euthanasies et qui ont été interrogés en Belgique témoignent de la souffrance personnelle que représente cet acte. Même ceux qui se sont résignés à le faire, c'est quelque chose qui est déshumanisant, qui nécessite parfois de se déshumaniser pour pouvoir l'accomplir, c'est-à-dire de casser la relation, de ne pas entrer en relation, ce qui n'est pas normal dans le rôle d'un soignant. Et l'autre inquiétude que j'ai, c'est que, tout simplement, on a besoin que les soins palliatifs irriguent toute la France. On a besoin qu'il y ait des soins palliatifs dans tous les départements français. On a besoin d'un grand élan. Or, ce que je crains fort, et c'est étayé par une étude qui a été faite par la SFAP auprès de ses soignants, c'est qu'un certain nombre de médecins quittent les soins palliatifs pour ne pas devoir être associés à une euthanasie. Ce que je crains aussi, c'est que des étudiants ne rejoignent pas cette spécialité, que des infirmiers n'y aillent pas, comme on le voit dans d'autres domaines, pour ne pas être confrontés à cela. Et ça, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Donc véritablement, oui, je pense qu'il faut être conscient de toutes ces dimensions qui dépassent une dimension purement individuelle, qui font que ce débat est un enjeu collectif, qui ne cessera d'être encore plus collectif, parce qu'on va être beaucoup plus vieux, beaucoup plus nombreux progressivement. Savoir... En tout cas, ne pas échanger une tragédie contre une autre. La fin de la vie, c'est une tragédie. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous semblent tragiques, mais remplacer ce que l'on a aujourd'hui par l'euthanasie, ce ne sera pas améliorer les choses, ce sera juste un troc, une tragédie pour une autre tragédie. Merci beaucoup, Erwan Lemoredec. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière ». C'est aux éditions du Cerf. Vous voyez actuellement la couverture s'afficher à l'écran. Vous restez bien évidemment
avec nous par visio. Erwan, on reviendra vers vous certainement, j'en doute pas au vu de la tension de la salle, et puis j'imagine aussi pour ceux qui nous suivent en ligne ce soir avec des questions-réponses. J'en profite aussi pour remercier Mgr Perceroux qui nous rejoindra tout à l'heure en fin de table ronde. Et je vais laisser la place à présent à nos différents témoins que j'invite à venir me rejoindre. Je vous en prie, venez à mes côtés. Ne me laissez pas seul sur ces grands canapés. Installez-vous à mes côtés. Vous allez pouvoir prendre les micros qui sont aussi à côté de vous. On va se les faire passer. On a suffisamment de place, c'est impeccable. Allez, on va commencer. Donc vous allez entendre différents témoignages. Ils vont s'exprimer durant 7-8 minutes pour vous permettre un petit peu d'entendre d'autres points de vue complémentaires à l'intervention d'Erwan Lemoredec à l'instant. Et on va commencer avec vous, Gwenaëlle Beauvois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière en EHPAD, vous avez un diplôme universitaire en soins palliatifs. Vous êtes membre du comité fondateur de l'association de la Maison de Nicodème. C'est un établissement de soins palliatifs qui est notamment implanté à Nantes depuis avril 2022. Je vous cède la parole. C'est une maison même. Voilà. Alors, moi, je suis infirmière et j'ai commencé, après mes études, par travailler en soins palliatifs. Donc, en fait, je ne connaissais pas très bien les soins palliatifs, mais j'ai travaillé à la Maison Notre-Dame-du-Lac et j'ai été particulièrement touchée par cette façon de prendre soin de la personne dans toutes ses dimensions spirituelles, physiques, morales, tous les aspects. Et cette globalité, en fait, m'a paru très intéressante. Et je me suis dit, c'est ce sens-là que je veux donner au prendre soin dans ma vie future. J'ai été très touchée par les soignants que je voyais. J'ai passé beaucoup de temps à admirer leur travail, à me dire que, voilà, il y avait beaucoup de compassion, d'humanité, de tendresse, qu'on pouvait allier le savoir-faire et le savoir-être, que le savoir-faire, ça s'apprenait toujours, mais que le savoir-être, je le vis aujourd'hui, il faut toute une vie pour l'apprendre, une vie de soignant. Mais j'avais déjà mis un axe dans ma profession. Et après, en fait, j'avais envie de vous raconter une histoire pour illustrer un peu ce que c'est que ce travail en soins palliatifs et tout ce sens qu'on peut donner à la fin de vie. Et en fait, ce soir, je n'ai pas envie de vous parler du sens, j'ai envie de vous parler de l'essence. Parce qu'en fait, en soins palliatifs, on sort un peu la quintessence de la vie. Et je suis touchée de pouvoir parler au nom, en petite soignante, mais au nom de tous les soignants, notamment des aides-soignantes dont on ne parle jamais et qui sont les plus proches du corps de la personne qui souffre. Dans tous ces débats, en fait, je trouve qu'on n'entend pas assez les soignants, en fait, parce que nous, en fait, on voit des belles choses et qu'au-delà de cette mort froide, cette mort qui fait peur, on a tous peur de souffrir, on a tous peur de ne pas avoir le choix à la fin de décider quand c'est insupportable, on a peur de ne pas être entendu, et ben en soins palliatifs, en fait, ces questions, elles ne sont pas là. Elles sont posées, mais en fait, avec une vraie écoute de la personne, avec une vraie humanité, on arrive à y répondre. Alors, ce n'est pas les bisounours. Il y a en effet des gens qui vont mourir révoltés. Il y a en effet des gens qui ne seront pas apaisés. Mais dans la plupart du temps, en effet, on arrive à accompagner et la vie a une temporalité différente et s'étend presque. Je vais vous expliquer comment. Alors, on avait reçu dans le service une dame qui était SDF. Sur son dossier, il y avait écrit « sans famille, sans entourage ». Elle est arrivée donc toute seule avec son baluchon. Elle était complètement prostrée, extrêmement douloureuse. Elle avait un cancer de la carotide et on avait des pansements qui duraient une bonne heure et demie, avec toujours ce risque que sa carotide se rompe. Donc, en tant que soignant, c'était assez stressant d'avoir une hémorragie massive. Et surtout, pour cette dame, c'était extrêmement douloureux. Et en fait, elle nous demandait, en effet, d'en finir. Elle nous demandait de lui faire une piqûre. Donc, on écoutait sa demande. Et on s'est réunis en équipe. Et en parlant de sa douleur physique, on a réussi, au fur et à mesure, en testant des traitements, à l'apaiser. Et après, c'est après que c'est intéressant. On a écouté son autre forme de douleur. Et grâce aux bénévoles qui font un travail formidable dans les unités de soins palliatifs et dans les services, grâce à l'aide-soignante qui passe, à la femme de ménage, au cuisinier, grâce à ce travail pluridisciplinaire, on a compris
qu'en fait, elle n'était pas toute seule. Elle avait un fils qui vivait aux États-Unis. Et par le biais d'un peu tout le monde, parce qu'en soins palliatifs, on est créateur. Quand on aime les gens, et ben, ça donne une force de création incroyable. Mais on a réussi à retrouver ce fils et à le faire venir. Et ça, c'est possible dans une unité de soins palliatifs, parce qu'on peut prendre le temps. La temporalité est différente. Donc, il est venu. On a créé un lieu d'intimité pour eux. Ils se sont retrouvés. Et cette femme, pour qui on ne comprenait pas en équipe comment elle tenait encore, alors qu'elle était vraiment la peau sur les os, elle ne s'alimentait plus, elle ne s'hydratait plus, et ben, elle a vu son fils. Il y a quelque chose qui s'est réconcilié dans sa vie. Et le lendemain, elle est morte dans la paix et une certaine forme de douceur. Voilà. Et ce fils est reparti en ayant appris plus sur sa vie, que sa mère ne l'avait pas abandonné et qu'il pouvait continuer, lui, son chemin. Cette histoire, je vous la raconte parce qu'elle illustre bien le travail qu'on peut faire en soins palliatifs. Et elle dit aussi que, et si on avait arrêté cette vie plus tôt, et si on avait répondu à sa demande d'euthanasie, bah peut-être que cette femme serait morte, pas du tout apaisée. Et ce fils, bah, il n'aurait jamais su que, voilà, avec sa maman, il pouvait continuer à écrire une histoire. Et en fait, on serait passé à côté du projet de vie de cette femme. Pour chacun, il y a un projet de vie à la seconde. Et là, je travaille en EHPAD. J'entendais monsieur qui disait, ces personnes inutiles. Mais quand on écoute vraiment profondément les gens, on arrive dans leur histoire à révéler un goût, un don, quelque chose d'inachevé. Et ça demande vraiment de se décentrer de soi pour rencontrer l'autre et d'être vide pour accueillir la présence de l'autre. Et je crois que même dans la formation des soignants, il y a quelque chose qu'il faut remettre au centre des débats. Il faut faire réfléchir les soignants sur quel soignant ils veulent être, quel est le sens du soin et quel est le sens du soignant qu'on veut être. Donc ça, c'est une première histoire qui dit beaucoup de comment on va pouvoir aussi vivre avec l'entourage. Si l'euthanasie passe, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces familles, de leur après ? Voilà. Quand on veut mourir à domicile, il y a beaucoup de gens qui disent « bah oui, mais on aimerait mourir à domicile ». Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait de cette chambre qui est complètement médicalisée ? Comment on vit l'après ? Donc dans le débat, il faut aussi penser à l'après et à l'entourage. Et en soins palliatifs, on considère l'entourage, on considère la famille. On sait combien dans un mobile, si on bouge un élément, toute la sphère bouge avec. Donc ça, c'est important. Je voulais vous raconter aussi une deuxième histoire, une expérience. En fait, je suis arrivée un matin dans un service, je faisais de l'intérim, et c'était en EHPAD. Et on me dit, pour Madame Intel, écoute, c'est pas la peine de passer, elle est en fin de vie, elle a une maladie de Parkinson à la fin de sa vie, et donc on a allumé la télévision et on repassera l'éteindre ce soir. Voilà, ça c'était il y a à peine un an. Voilà. Alors, voilà, la première réaction c'est la stupeur, la deuxième ça peut être la colère. Mais en fait, derrière tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle doit souffrir, cette soignante, pour arriver à me dire ça ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a si peur de rentrer dans cette chambre ? Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes dans les soignants qui ont peur. Nombre d'aides-soignantes ou de personnes me disent, si elle est décédée, je préfère pas rentrer. Je ne préfère pas m'approcher. Et même quand on fait un dernier hommage en bas, souvent, quand le corps s'en va, il y a même des soignants qui ont peur. Donc, c'est quand même que, avant de s'interroger sur l'euthanasie et tout ça, sur la formation des médecins, la formation des soignants, il y a des choses qui ne sont pas encore... On a fait une omerta sur la mort. On a oublié de former et de commencer par l'essentiel. On voulait parler du soin, de la vie, et on a oublié de leur dire que la vie, elle a une finitude et qu'avant d'en prendre soin, il faut peut-être la considérer. Et donc, cette femme, en fait, j'ai ouvert la chambre et je l'ai retrouvée en position de fœtus, toute chétive, toute repliée. Et avec les aides-soignantes, je leur ai dit, mais vous savez, en fait,
on peut faire quelque chose, on peut la toucher. Et en fait, cette femme, visiblement, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été touchée. Donc, on s'est mis à la laver, à la masser, à la considérer et en fait à l'aimer. Et peu à peu, elle s'est descendue, elle s'est détendue. Elle est décédée le soir même. Alors, on n'a pas fait grand-chose, mais je pense que quand même, on lui a rendu un dernier hommage. On lui a rendu un peu de l'humanité qu'elle avait pas eu jusqu'ici. Et l'équipe autour s'est sentie mieux et a eu l'impression d'avoir vraiment pris soin. Et ça a un peu changé les mentalités, mais c'est encore une réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de projeter ce qu'on veut pour les gens et qu'il faut vraiment remettre la personne au cœur de la démarche du soin. J'ai encore un peu de 30 temps. Secondes, 40 Alors, secondes. C'est peu, hein, j'avais beaucoup de choses à dire. Ça passe vite. Voilà. Et voilà. Alors, je vais peut-être vous dire que pour moi, en tant que soignant, je ne pourrais que me tourner vers la vie. Je suis tellement persuadée qu'on a beaucoup à faire et qu'on ne peut pas être tourné vers la mort quand on sait combien il est possible de soulager, de créer des belles choses encore, de créer des projets de vie auprès de chacun. Et il faut aller voir ce qui se passe dans les soins palliatifs. Il faut aller écouter, alors les malades c'est difficile, mais écouter les témoignages des bénévoles. Il faut absolument que la presse, les médias aillent écouter avant de débattre. Voilà. Merci beaucoup Gwenaëlle Beauvois. On va à présent entendre le témoignage d'Yvonne Douillard, vous êtes la présidente, et de Marie-Thérèse Ribaud, vous êtes la vice-présidente de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Alors on peut peut-être tirer un tout petit peu, mais sinon vous avez un micro juste devant vous, voilà. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais peut-être parler de l'association Jalmalve, ce que nous sommes. Je vous en prie. Alors, Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie. C'est la vie que nous accompagnons jusqu'au bout. C'est une association laïque, non confessionnelle, apolitique. Et nous sommes sur Nantes, 52 bénévoles, mais nous allons également à Ancenis, Châteaubriant, Nozay et une petite équipe à Cholet. Peut-être que vous ne connaissez pas Jalmalve. Alors, Jalmalve a trois missions. La première, c'est d'accompagner les personnes malades, très âgées, en fin de vie, voire en soins palliatifs. Nous les accompagnons dans des établissements publics, dans les hôpitaux. Par exemple, nous allons au CHU, à l'Hôtel Dieu, dans différents services. Nous allons à Bélier, à l'ANEC, également à l'hôpital du Louroux-Botreau, Ancenis, Châteaubriant, et j'en oublie. Et nous intervenons également dans 24 EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes. C'est notre première mission. Nous accompagnons à la fois les personnes malades et nous accompagnons également les familles. Notre seconde mission est d'accompagner le deuil. Les personnes adultes vivant un deuil, deux bénévoles formés spécifiquement au deuil, reçoivent une personne endeuillée. Elles reçoivent une fois, voire deux, et après elles proposent de rejoindre un groupe de parole, ceci pendant 6-7 mois en raison de 2h30 par mois de rencontres. Nous accompagnons également les enfants vivant un deuil. Là également, toujours en binôme, des bénévoles spécifiquement formés, dont une psychologue, rencontre un jeune, soit enfant, adolescent, avec sa famille, et après on lui propose de participer à des ateliers ludiques. Et enfin, la troisième mission de Jalmalve est de faire évoluer les mentalités sur le grand âge, sur la maladie grave, sur les soins palliatifs, le tabou de la mort. Voilà, c'est ce qu'on appelle notre troisième pied. Voilà pour parler de Jalmalve. Sachant que nos bénévoles sont formés
et qu'elles sont supervisées par des psychologues. Est-ce qu'il y a des points par rapport aux échanges que vous avez entendus tout à l'heure? Ben, je vais peut-être faire un témoignage. Ben, je vous en prie, bien évidemment. Moi, ce serait plutôt un témoignage sur une famille que j'ai accompagnée dernièrement. Je rentre dans une chambre à la demande d'une infirmière pour voir une famille. Et donc, je salue les personnes et je vais saluer également le vieux monsieur qui est, me semble-t-il, dans le coma. La bouche ouverte, très âgé, la bouche ouverte, une respiration un petit peu bruyante. Je m'approche après d'une dame qui s'avérait être son épouse, et puis il y avait trois grands-fils. Et l'épouse me dit, de façon très véhémente, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans cette chambre? Je les invite à sortir, parce que la voix était très forte, je les invite à sortir. Et elle me dit, mais c'est inhumain ce qu'on fait vivre à mon mari. Alors je lui dis... Mais ça ne se passe pas bien avec les soignants, vous ? Ah non, les soignants, ils sont formidables. Vous savez, on sonne, ils viennent tout de suite. Ils viennent régulièrement voir mon mari. Ils font des soins. Ils nous ont montré comment humidifier les lèvres. Là, vraiment, c'est un personnel formidable. Vous avez vu le médecin ? Oui, oui, nous l'avons vu hier. On a discuté. On a parlé de la sédation. Et puis, on a décidé avec lui... De mettre en route la sédation. Je suis un peu surprise et je lui dis, mais votre mari souffre? Vous avez l'impression que votre mari souffre? Non, pas du tout, il bouge pas. Il n'y a pas de... Alors je reformule tout ce que j'ai entendu. Je lui dis, alors, votre mari est entouré par du personnel bienveillant, puis vous-même, puisque vous êtes là tout le temps. Il ne souffre pas. Vous êtes mis d'accord avec le médecin. Mais vous ne croyez pas que c'est vous qui souffrez. Et là, il y a eu un blanc. C'est quelque chose qu'il n'avait pas réalisé, que c'était eux qui souffraient de cette situation qu'ils vivaient. Au bout d'un petit moment, je leur dis, mais vous savez, votre mari, je m'adresse à l'épouse, votre mari vous entend, vous pouvez peut-être, n'hésitez pas à lui parler. Après sans doute de longues années de mariage, oui, 67 ans, 68 ans, vous avez des choses à lui raconter. Vous pouvez le rassurer aussi que vous êtes bien entouré, qu'il peut partir. Ah oui, 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 me dit-elle, mais vous savez, mon mari c'est un breton, il a une tête de cochon. Donc un petit sourire. Et je lui dis, ah bon, votre mari a une tête de cochon. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. Et vous croyez que ça va changer? Et voilà, on s'est quitté avec un sourire. Je suis arrivée dans une chambre où l'atmosphère était très lourde, où la famille était en colère. Et je pense, et ils sont rentrés certainement apaisés, je ne sais pas, mais au moins plus légers. Et... Entre parenthèses, tout ça pour vous dire que l'accompagnement n'est pas toujours triste, parce qu'on arrive même à rire dans des situations un petit peu dramatiques. Vous souhaitez compléter les propos? Oui, quelques petits témoignages. Je suis moi-même bénévole d'accompagnement depuis 4 ans et demi en oncologie à l'hôpital privé du Confluent, également en EHPAD. En fait, être bénévole d'accompagnement... On est présent à une personne âgée, malade ou souffrante, et dans le plus grand respect de son cheminement. Et on s'aperçoit souvent que le temps palliatif, ça permet le cheminement de la personne. On le constate très souvent. Donc je pense à une dame que j'avais pu accompagner sur 9 mois en centre de soins de suite. Au début, je la voyais assise comme devant son bureau, téléphone, agenda, compte rendu médicaux. Elle avait le contrôle sur sa maladie complètement. Puis petit à petit, elle a moins prêté attention à son allure, sa perruque. Elle a commencé à accepter des traitements auxquels elle avait dit qu'elle ne se soumettrait jamais. Et puis elle a commencé à se dire, à parler de sa mort possible, évoquer ce qu'elle souhaitait pour ses obsèques. Et puis elle en a parlé à son fils, ce qui était une façon d'acter l'idée qu'elle allait mourir.
Et finalement, cette dame, sur 9 mois, bon, je dirais qu'elle s'est éteinte plus dans la résignation que dans l'acceptation, mais elle était relativement apaisée quand même. Je me souviens d'un monsieur, je l'ai vu une première fois, extrêmement douloureux, et le médecin venait de parler avec lui de sédation, il avait parlé avec ses enfants. Et puis la semaine d'après, il était tout paisible, tout calme, les traitements avaient quand même bien contrôlé la douleur. Il était apaisé, serein, il souriait, il me disait « c'est bon, j'attends, elle peut venir quand elle veut ». Et la mort est venue 3 semaines après, mais il était sincèrement détendu et apaisé parce qu'il ne souffrait plus. Cet apaisement, cette acceptation, on la voit quand même souvent. Je pense à un agriculteur de 50 ans, vendéen, et il était très fier d'avoir pu transmettre des valeurs de travail, de courage à ses 2 enfants de 22-24 ans. Il se disait, je ne serai jamais grand-père, mais en même temps, je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi. Je leur ai transmis ce qu'il fallait. Ils sont lancés dans la vie. Et puis, on voit des personnes qui font des bilans de vie. Je pense à une dame très affaiblie. Ça faisait 15 minutes que j'étais près d'elle en silence. Et elle murmure, j'ai eu une vie très intéressante. Alors là, j'ai prêté l'oreille. Et oui, elle a parlé longuement, 30 ans qu'elle, en Afrique, elle avait aidé d'autres expatriés dans le besoin. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, bah, elle reprenait vie, elle se redressait dans son lit, elle a fini assise. Et c'était très surprenant. Et elle me disait, oh, c'est bien quand même à la fin, quand on retrouve tous les petits cailloux le long de son chemin, toutes les choses bien qu'on avait dans sa vie, bah, c'est bien de se rendre compte qu'on a laissé des choses bien derrière nous. C'était assez touchant. En EHPAD, comme vous le disiez, c'est très différent. Il y a beaucoup de plaintes, mais on a aussi beaucoup de leçons de sagesse qu'on peut recevoir. C'est extrêmement riche et intéressant. Et puis, ben vous avez compris les valeurs de Jalma, enfin, notre engagement. Eh ben, nous, c'est le respect de la vie. Ça, c'est essentiel pour nous. Ce devoir de solidarité, de non-abandon des personnes âgées. Nous, on représente la société civile et on montre à ces personnes qu'on se préoccupe d'eux. Et puis, on manifeste le respect qui est dû à la dignité de la personne. Alors là, on parle bien de la dignité ontologique, hein, liée à la personne humaine, la vraie dignité, qui ne dépend ni du regard des autres, ni de l'image qu'on se fait de soi-même. Ce n'est pas du tout la dignité de la DMD. Hein. Et puis, bah, pourquoi est-ce qu'on est fidèle à notre engagement? Bah, c'est l'humanité partagée, c'est ce que vous disiez aussi, c'est ce qui nous anime. Et ce n'est pas du tout un bénévolat triste. Voilà. Et juste une dernière dame, parce qu'elle était très touchante, très affaiblie. Pendant 1 heure, elle m'a raconté sa vie à l'ombre d'un grand capitaine d'industrie qui l'avait emmenée dans des palaces parisiens. Elle allait faire des courses avec chauffeur chez les grands couturiers. Elle est devenue vivante sous mes yeux, alors que franchement, elle était très, très faible. Elle a voulu montrer une photo d'elle pour me montrer combien elle avait été une belle femme et ce qui était vrai. Et elle rayonnait, elle était radieuse. Et le lendemain, elle était décédée. Mais elle a eu un moment de vie magnifique. Voilà. Donc, c'est sûr que nous, en tant que bénévoles d'accompagnement, ben, on peut témoigner de la façon dont la fin de vie de nos concitoyens. Et puis, notre présence leur permet de se sentir vivants jusqu'au bout. Merci beaucoup. On va passer le micro à présent à Sœur Edith Fouché. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la représentante de la communauté des Sœurs de Saint-Gilles-des-Bois. On vous écoute. Bon, je veux dire d'abord que ma mission actuelle, c'est accompagnatrice, coordinatrice pour les sœurs qui résident à l'EHPAD de la maison Michel-Guillaume à Saint-Gilda. Alors, c'est un lieu où j'ai travaillé pendant 17 ans comme ASH, AMP, gouvernante et animatrice. Cette structure accueille actuellement 61 sœurs et 26 laïcs, dont 3 hommes, de 77 à 102 ans, dont 5 sœurs centenaires religieuses et bientôt une 6e. Alors, je crois qu'on m'a demandé de partager un peu mes raisons d'espérer à partir de mon expérience d'accompagnement de sœurs en fin de vie.
Alors, je le vis très en lien avec une autre sœur accompagnatrice et l'équipe d'aumônerie constituée de deux sœurs, trois laïcs et de l'aumônier. Je suis consciente que ce moment de passage est important car chaque personne est unique et aimée de Dieu. Ce que je vis, c'est la mobilisation de toute une équipe où chacun a sa place. Médecin, psychologue, soignant, accompagnatrice, équipe d'aumônerie, famille, en interaction et complémentarité, tout en tenant compte des désirs de la personne concernée, si elle a exprimé ses directives anticipées ou si elle est encore en capacité de le faire, d'exprimer. Alors, je vous cite un fait. J'entendais tout à l'heure Monsieur Moredec, là. C'est une sœur qui bénéficiait de dialyse 3 fois par semaine depuis 8 ans. La question s'est posée de poursuivre, car ne pouvant s'exprimer par la parole, il semblait qu'elle manifestait son désir qu'on arrête la dialyse en arrachant la perfusion. De plus, elle devenait de plus en plus triste, refusant en dernier de s'alimenter. Après des allers-retours avec le personnel des dialyses, le médecin, les infirmières, la famille humaine et religieuse, il s'est écoulé 2 années avant que la décision soit prise d'arrêter les dialyses. Connaissant bien l'issue, ça a été une décision qui a été difficile à prendre. Le service d'aumônerie, la famille et les soignants l'ont entourée jusqu'au bout de leurs soins et par leur présence. Et nous l'avons laissée partir en paix. Pour moi, il me semble que l'écoute de la personne, la présence silencieuse, le être là, le toucher parfois si la personne accepte, la prière sont des attitudes essentielles pour répondre au mieux aux besoins physiques, humains et spirituels dans l'approche d'une personne qui se prépare à vivre le passage. Il y a quelques mois, j'ai assisté une sœur de 96 ans, très fatiguée, qui se montrait très exigeante. La semaine avant son décès, je suis allée lui rendre visite tous les jours où j'étais présente. Je lui donnais un peu à boire. Elle était paisible. Elle a dit qu'elle attendait. Nous avons parlé de la mort à laquelle elle se préparait. Elle m'a demandé de chercher sur sa table un classeur. Elle avait préparé toute sa célébration d'obsèques. Je lui ai proposé de le lire à haute voix. Elle m'a dit oui. Voyant que c'était très long, je commençais à le lire un peu vite. Elle m'a dit plus lentement. Là, j'ai vraiment senti un appel à cheminer avec, à son rythme. J'ai été très étonnée de voir combien toute sa préparation n'était qu'action de grâce pour sa vie et pour la délicatesse du personnel, ce qu'elle ne donnait pas toujours à voir. Mais je me suis dit, l'agressivité n'était-elle pas une étape d'acquiescement aussi au lâcher-prise qu'elle avait à vivre, avant de retrouver la paix? Je lui ai proposé de prier Marie, parce que je propose toujours, si elles me disent non, elles disent non, ça ne m'empêche pas de le faire. Et elle l'a dit faiblement avec moi, et 2 jours après, elle nous quittait dans la nuit, après m'avoir dit la veille au soir, demain je ne serai plus là. Et elle n'était plus là. J'ai pu observer aussi combien des personnes en fin de vie manifestaient une vitalité intérieure totalement surprenante, bien que leur corps soit effectivement à bout de force. Je citerai le cas d'une sœur que le médecin a voulu faire hospitaliser alors que nous n'étions pas d'accord, craignant qu'elle décède à l'hôpital. Elle est revenue le lendemain et a reçu le sacrement des malades. Apparemment inconsciente, mais ceux et celles qui étaient présents ont été impressionnés de voir son visage s'illuminer tout à coup pendant ce temps. Et elle est décédée 2 jours après.
J'ai envie de dire, moi je le lis, n'est-ce pas un signe d'espérance qui rejoint la parole de saint Paul ? Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je me dis, pour moi, nous sommes là dans une dynamique pascale. Nous passons sans cesse de la mort à la vie. Il me semble qu'il faut être aussi attentive aux moindres signes et aux appels qui sont faits et les prendre au sérieux. Par exemple, un coup de téléphone, un soir, j'étais sur le point de partir, pour me demander de venir, car la sœur avait quelque chose d'important à me dire. Elle me dit, tu sais, je sens que je vais mourir. Je prends un peu de temps avec elle, je lui demande si elle se sent plus fatiguée, si l'approche de la mort lui fait peur. Je pense que le fait qu'elle a pu l'exprimer et qu'elle s'est sentie écoutée l'a apaisée. Ça n'a pas été plus loin, mais... Alors, actuellement, ça va être mon dernier fait, actuellement, une sœur de 78 ans, pleinement consciente, est atteinte de la maladie de Charcot. Et c'est avec elle que je donne ce témoignage. Je l'ai vu avec elle. Son médecin traitant ne se déplace plus à l'EHPAD. Il veut bien continuer en téléconsultation. La dépendance devient telle qu'elle se sent un poids pour une équipe de travail. Situation difficile lorsque les structures ne semblent plus adaptées pour répondre aux besoins de la personne qui devient de plus en plus dépendante et nécessite une prise en charge adaptée à son handicap. Comment l'accompagner dans son désir profond de rester à l'EHPAD et accueillir en même temps la difficulté du personnel de répondre à ses besoins spécifiques. Après des temps d'hésitation, de recherche d'une solution qui réponde à son souhait, le neurologue, qui était le neurologue d'Angers, il a pris les choses en main et il vient de faire des démarches près des soins palliatifs pour une prise en charge. Lorsque j'ai écrit ça, j'ai marqué « petit espoir, mais pas de place ». Mais depuis 3 jours, la situation s'est débloquée et elle rentre demain en hospitalisation à Saint-Nazaire. C'est une situation qui est éprouvante pour elle et pour nous toutes qui l'entourons. Et en tant que personne de confiance, à sa demande, nous venons d'écrire ces directives anticipées. C'est un moment qui est très fort et important. Il faut savoir que j'avais assisté à tous ces rendez-vous avec le neurologue à Angers. Et vraiment, j'étais en admiration de la manière dont le neurologue l'écoutait et la laissait exprimer toutes ses questions. J'ai trouvé ça... Alors pour moi, je dirais, j'ai bientôt fini, pour moi, je dirais qu'espérer, c'est garder confiance malgré les limites, faire ce qui est en notre possible et croire que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Je peux dire que ce que je vis aujourd'hui est une mission passionnante, gratifiante, mais éprouvante dans la conjoncture actuelle. En conclusion, je vous cite quelques paroles d'une sœur résidente à qui nous venons de fêter son centenaire. Alors que je la remerciais pour sa belle et longue vie et le temps passé à veiller des sœurs en fin de vie, ce qu'elle faisait avec beaucoup de délicatesse et d'effacement, elle me prend le bras et me dit « Tu sais, c'est important ce moment du passage. Il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie, c'est le mot amour. » Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose que l'on se tourne vers nos deux derniers intervenants à présent. Monsieur Rodolphe Moquet, vous êtes le directeur de COMPA, Coordination Mutualisée pour la Proximité, l'Appui et le Soutien, et vous êtes accompagné par le docteur Coraline Vigneras. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être pour commencer, quelques mots sur COMPAS.
Compa. Oui, alors rapidement. Compa, c'est une équipe de professionnels de différents métiers qui vient apporter un soutien à l'ensemble des structures et des hôpitaux et des cliniques qui le souhaitent, afin de les accompagner lorsqu'elles sont confrontées à des situations compliquées d'accompagnement des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs. Et de la même façon, l'équipe intervient aussi au domicile privé des personnes malades et de leurs proches, en soutien aussi des professionnels libéraux qui les accompagnent. Cette équipe est portée par une association, donc Compa, qui, au sein de laquelle sont aujourd'hui réunis l'ensemble des structures hôpitaux et cliniques du territoire nantais. Le privilège de passer en dernier, c'est que ce soir, j'ai connu des soirées plus mouvementées sur le sujet, c'est que ce soir, finalement, l'ensemble des témoignages des intervenants ont permis, par leur illustration, de vous traduire, je trouve, assez juste, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de précision, ce qui est un peu le cœur de l'accompagnement en soins palliatifs. Alors, être entouré d'ambassadeurs, c'est très confortable. Je crois que ça a permis aussi, les uns les autres, de montrer l'aspect précieux des derniers moments de la vie. Quand on parle de la fin de vie, on pense toujours à la mort, mais en fait, l'ensemble des acteurs qui y travaillent se préoccupent avant tout de la qualité de la vie avant de la mort. C'est ça le travail, c'est ça qui fait que beaucoup de soignants, beaucoup de bénévoles et beaucoup d'accompagnateurs ont envie d'y travailler, tout simplement parce que dans ces moments-là, il se passe des choses assez fabuleuses, vous l'avez illustré à certains moments, étonnantes, inattendues, et qui sont de l'ordre de la vie. Néanmoins, Erwan Lomoïdec nous le précisait en introduction, cette compassion qui est partagée par beaucoup, elle fait parfois le lit de propositions qui ne sont pas toujours dans l'intérêt de l'autre. J'aimerais juste rappeler ce soir que la compassion, c'est ce qui a aussi généré l'acharnement thérapeutique tel qu'on l'évoquait il y a quelques années. Aujourd'hui, on appelle l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable, ce ne sont pas des gens qui veulent du mal aux personnes malades en se disant « on va ajouter des soins pour les embêter », c'est absolument pas ça. Ce sont des soignants, au sens large du terme, avec un grand S, qui, dans l'intérêt, selon eux, et pensant bien faire, ont du mal à s'arrêter dans la quête de thérapeutique qui s'accumulent les unes aux autres en espérant pouvoir le guérir malade, malgré la maladie qui évolue. Et c'est ce qui, à un certain moment, nous a montré que la thérapeutique a ses limites et que dans ces moments-là, la personne malade y perdait de son intérêt, de son bénéfice, et qu'au final, on en oubliait ses choix et ses désirs. Donc c'est un premier point qui me semble important à rappeler pour tous. Et puis, cette compassion, j'ai envie de rebondir aussi là-dessus, comme l'a fait aussi M. le Maridec tout à l'heure, en se souvenant que si ce débat existe, c'est que dans la population, une petite fraction, puisque dans les pays qui sont autorisés, c'est environ 2% de la population qui décède sous les formes euthanasiantes, une petite fraction de cette population se sent dans la difficulté et la souffrance telle que elle en arrive à demander à ce qu'on les aide à mourir. Et j'aimerais juste partager avec vous ce soir que tout l'enjeu des acteurs en soins palliatifs, c'est de pouvoir aussi entendre la souffrance et le mal-être de ces personnes. Un certain nombre d'entre elles ont été témoins d'un mal mourir, de situations qui ont été qui ont échoué, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on a pu illustrer là ce soir. Ce qui nous rappelle aussi que l'accès aux soins palliatifs en France n'est pas aujourd'hui équitable, n'est pas accessible partout et pour tous, malgré la loi qui le réclame depuis 1999. Que l'obstination déraisonnable, elle est dans la loi depuis 2005, 18 ans. Et que pour autant, ce sont encore des problématiques aujourd'hui. Ça m'amène à pointer que la loi ne régit pas tout, et c'est pas parce qu'on change de loi qu'on change les pratiques. Et enfin, j'ai trouvé dans vos illustrations
que vous mettiez l'accent sur la singularité, l'unicité des situations rencontrées, et qu'une loi ne sera toujours que très généraliste et ne pourra jamais répondre aux situations de souffrance individuelle. Alors on me demandait de faire rapidement un petit panorama de la situation actuelle chez nous. Là encore, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, je vais m'exercer rapidement aux deux. À moitié plein, on peut se dire que l'ensemble des structures, en tout cas sur notre territoire, sont engagées dans cette démarche d'amélioration des pratiques en soins palliatifs, qu'un certain nombre de soignants, tous les jours, donnent d'eux-mêmes à pouvoir être présents et accueillir tous ces moments particuliers auprès de leurs résidents ou auprès de leurs patients. Que des efforts ont été faits aussi par nos tutelles, puisque le nombre de lits en unité de soins palliatifs a augmenté, que les équipes sont ici ou là, peuvent être renforcées. Néanmoins, même sur notre territoire, l'accès aux soins palliatifs n'est pas équitable. Le développement et le soutien aux soins palliatifs au domicile privé n'est pas partagé sur l'ensemble de notre département depuis de nombreuses années. Et puis, vous le savez, j'aurais envie, malheureusement peut-être ce soir parce que le contexte m'y oblige en tant que représentant un petit peu de toutes ces structures de santé au sein de COMPA, vous partagez combien le contexte est compliqué, que le système de santé est malade aujourd'hui et que l'accompagnement soins palliatifs en pâtit et en souffre. On a entendu un certain nombre d'illustrations qui montrent combien cette délicate attention et cette vigilance à essayer d'accompagner au plus juste les situations complexes, elle nécessite d'être à plusieurs et avec plusieurs métiers, ce qu'on appelle la collégialité. Sauf qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de médecin prescripteur, ça va être compliqué d'accompagner jusqu'à la fin de la vie. S'il n'y a pas d'infirmière pour faire des soins, ça va être compliqué pour soulager les plaies. Et je caricature bien sûr. S'il n'y a pas d'aide-soignante, ça va être compliqué pour accompagner les repas et les toilettes. S'il n'y a pas d'aide à domicile, ça va être compliqué pour le maintien au domicile. Et puis, si les aidants sont épuisés et seuls, ça va être compliqué aussi pour la personne malade. Et en ce moment, on est observateur d'une certaine fuite de nos soignants qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup pris sur eux pour compenser les failles qui existent depuis longtemps dans le système de santé, mais qui fait qu'aujourd'hui, on manque tellement de ressources que c'est la démarche palliative qui est menacée. Alors dans ce contexte, je ne sais pas si c'est une nouvelle loi qui nous y aidera, mais en tout cas, ce dont on est sûr en tant qu'acteur en soins palliatifs, c'est qu'il nous manque de moyens et qu'il faut absolument qu'on permette de faire revenir et de réinviter tous ces soignants qui ont cette vocation et cette envie d'accompagner l'autre dans ces beaux moments que sont ces moments de fin de vie. Docteur, on a une branche de plante verte qui nous sépare, mais vous voulez ajouter un mot ? Oui, bonsoir à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et moi, la phrase qui me venait en écoutant tout ce qui a été dit, c'est une phrase de Grand Corps Malade. Seul on va vite, tout seul on va loin. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, et c'est vrai pour les soignants dont je fais partie, mais c'est aussi vrai pour les aidants, pour les patients, pour les bénévoles, pour tout le monde, que finalement c'est en étant plusieurs qu'on peut faire cet accompagnement qui est complexe et qui nécessite au quotidien beaucoup de ressources à la fois personnelles, professionnelles et de différents ordres. Voilà. Après, l'autre chose qui me venait aussi, c'est qu'effectivement on essaye de faire du soin palliatif partout. Ce que je veux dire par là, c'est pas seulement dans les unités de soins palliatifs qu'on peut être accompagné dans une démarche de soins palliatifs. Mais effectivement, comme l'a dit Monsieur Moquet, le contexte actuel complique un petit peu les choses, même si il y a partout des gens de bonne volonté qu'il faut savoir trouver ou saisir, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'autres peut-être questions qui vont arriver, donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien voilà, chers amis, vous qui nous regardez derrière votre écran ou vous qui êtes ici à Nantes avec nous dans la salle, ça va être le moment où vous allez pouvoir prendre la parole. Alors pour ceux qui sont présents physiquement, ça va être plus simple. Je vais vous demander simplement, presque comme à l'école, de lever le doigt pour qu'on puisse vous amener un micro et prendre la parole. Et pour ceux qui nous regardent
par écran interposé ce soir. Vous pouvez, par le biais d'un chat, venir nous poser vos questions. On les attend, nombreuses et nombreuses, ces questions, réflexions, commentaires, pour nourrir un petit peu notre débat. Normalement, je pense qu'Erwan Lemoredec est encore parmi nous à distance. Et puis, bien évidemment, voilà, on va nous saluer. Vous avez aussi l'ensemble de notre panel que vous venez d'entendre, qui sont à votre disposition. Vous pouvez partager avec eux ce que vous avez pensé des échanges que vous avez entendus, faire part d'autres points de vue. On commence peut-être avec une première question qui est arrivée en ligne. Oui, alors effectivement, on est suivi à travers tout le département de Loire-Atlantique. Il y a des gens qui sont réunis à Saint-Nazaire, à Montoire-de-Bretagne, Rezé, Valette, Blain, Saint-Herblain, La Chapelle-sur-Erdre. Ça, c'est pour ceux qui se sont fait connaître. Il y en a d'autres certainement ailleurs. Parmi les commentaires, assez peu nombreux, je crois que le public était très attentif pendant tous ces exposés. Le terme qui revient, c'est les directives anticipées. Quelle place, comment on fait, est-ce que c'est important, utile, nécessaire? Qui a envie de se lancer sur cette question des directives anticipées ici dans les intervenants qui sont présents sur scène? Ou Erwan Lemoredec sinon? Erwan, peut-être un mot? Oui, je veux bien. C'est pas un sujet qui est évident parce que c'est pour reprendre un mot qu'emploient pas mal les soignants de soins palliatifs, on retrouve un peu une forme d'ambivalence parce que les directives anticipées, c'est une position qui est peut-être un peu personnelle, mais j'ai du mal à les comprendre dans le sens où je doute que l'on puisse anticiper ce que l'on va vivre dans la maladie. Aujourd'hui, je suis incapable d'anticiper ce que je pourrais souhaiter le jour où je serai éventuellement malade. Mais même ensuite, lorsqu'on l'est en début de maladie, est-ce que l'on est capable d'anticiper ce que l'on va pouvoir vouloir si la question se pose de cesser de vous poser une trachéotomie ou de ne pas vous poser une trachéotomie, de vous poser le terme, je me plante dans le terme souvent, mais une gastrostomie, je crois, oui, ou de ne pas vous la poser. Est-ce que je suis en mesure simplement d'anticiper ce genre de choses? Je n'en suis pas certain. Et puis, je répercuterai là plus ce que disent des médecins, parce que je n'ai pas une expérience personnelle suffisante. J'aurai jamais celle d'un médecin de toute manière. Mais Claire Fourcade alerte aussi sur le risque d'enfermer le patient dans ses directives anticipées et que le patient s'enferme lui-même dans ses directives anticipées, c'est-à-dire que parce qu'il aura posé par écrit certaines choses, eh bien, ils se disent plus tard, quand j'avais toute ma tête ou quand j'étais en pleine forme, enfin c'est relatif ce que je dis, voilà ce que je voulais, et donc aujourd'hui je dois être fidèle à ce que j'ai écrit. Je schématise un peu, mais c'est un peu l'idée. Or la situation évolue et ce qu'il pouvait vouloir au moment où il a écrit ses directives, il est susceptible de ne plus le vouloir. Bon, après, les soignants vous disent aussi que c'est un outil qui les aide. Il y a une notion que j'ai trouvée intéressante, puis je vais m'arrêter là parce que, puisque je viens de dire que je n'avais pas l'expérience des médecins, je vais les laisser parler. Mais simplement, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est quand il parle de discussions anticipées, plus que de directives anticipées. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui se fait lorsque le patient rentre et au cours de son séjour. Mais voilà, je m'arrêterai là pour laisser parler les autres. L'exemple pratique avec vous, docteur. Non, juste pour donner l'information, je ne sais pas si c'était ça que demandaient les auditeurs. Il y a deux types de formulaires que l'on peut trouver sur le site de l'HAS ou sur le site d'Amélie.fr ou d'autres sites. Un formulaire quand on n'a pas de maladie connue et un autre formulaire quand on a une pathologie déclarée ou connue.
Et moi, je trouve, et en fait, les directives anticipées, c'est pour dire les conditions de sa fin de vie. Qu'est-ce que l'on souhaite ou qu'est-ce qu'on ne souhaite pas au moment de sa fin de vie. Moi, je trouve que cet outil est intéressant dans un contexte de communication patient, personne de confiance, médecin ou professionnel de santé, et ça permet vraiment ça peut permettre une communication entre chacun sur certains sujets compliqués. Après, effectivement, le passage à l'écrit est toujours difficile pour certains. Certains disent qu'ils n'ont pas besoin d'écrire puisqu'ils l'ont déjà, ils ont déjà dit. Quand je travaillais dans un SSR en Vendée, effectivement, nous, tout le processus qu'on avait mis en place, c'était vraiment dans une idée de pouvoir discuter des préoccupations des patients sur leurs conditions du mourir. Et du coup, de pouvoir aussi les rassurer sur ce qu'on allait pouvoir faire ou pas pouvoir faire. C'est-à-dire, et entre autres les patients SLA qui sont très, ou même d'autres patients très angoissés, on l'a dit en tout début d'intervention, de mourir asphyxié, de qu'est-ce il va pouvoir être proposé à ce moment-là si vraiment il y a un symptôme physique d'étouffement. Comment va pouvoir être soulagé à ce moment-là? Et ça, il y a un certain nombre de patients, d'écrire leur directive anticipée, de connaître un petit peu ce qui est possible et pas possible, va les rassurer pour pouvoir affronter ce qu'il y a à affronter. Et il y a un certain nombre de gens, au bout du compte, où on n'a pas besoin d'appliquer, entre autres, la sédation profonde et continue ou une sédation d'un autre type, puisqu'il y a plusieurs types de sédation, pour les soulager. Tu veux rajouter ? Eh bien, merci beaucoup. Allez, questions, réflexions, commentaires. Est-ce que dans la salle, il y a des questions pour notre panel d'intervenants, pour Erwan Lemoredec qui est avec nous ce soir ? Une première question. Bonsoir monsieur, je vous laisse peut-être vous dire votre... Ou madame, pardon, excusez-moi, de loin, c'est moi qui... Ma vue est défaillante, je n'ai pas mes lunettes sur le nez. Votre prénom peut-être, et puis la question que vous souhaitez poser ce soir. On est en train de régler votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Bien, alors, j'ai entendu que c'était Odette sur le prénom, et sur le micro, c'est plus compliqué. Eh bien, venez peut-être à côté de nous, sinon Odette, pour quelques instants. Hop, on va vous donner un micro. Je tire un petit peu mon câble. Je ne peux pas aller très loin. Bonsoir, Odette. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir, je peux prendre le tabouret? Allez, prenez le petit tabouret, installez-vous. J'ai des problèmes avec la station debout. Mettez bien le micro à côté de votre bouche pour qu'on vous entende bien, surtout à distance. Oui, c'était plutôt des remarques que j'avais à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les directives anticipées, parce que j'ai commencé à les rédiger il y a 10 ans. Le formulaire a été modifié, j'ai donc refait des directives. Dans l'état actuel de la législation, dont j'espère qu'elle va changer, parce que pour le moment, il y a des choses que j'ai rayées. Je ne suis pas d'accord avec la formulation actuelle. Ce qui s'est dit ce soir sur les soins palliatifs, bien sûr qu'on est d'accord avec, mais c'est combien de personnes? Les authentiques soins palliatifs en clinique, c'est 20% de la population. Moi, je suis une petite femme ordinaire avec une vie ordinaire, aurait dit Madeleine Delbrel, et donc une fin de vie ordinaire. Ce sera quoi? Ce sera l'hospitalisation à domicile, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis bien d'accord, un personnel qui se raréfie. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une sédation à domicile quand la personne qui doit faire la piqûre de morphine ne vient avec 1 heure ou 2 heures de retard? C'est quand même un problème. L'autre aspect, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur la clinique de soins palliatifs de Madame Van Oost en Belgique, parce que ça fait très longtemps que je l'ai découverte. Et actuellement, donc, l'euthanasie active, en Belgique, est pratiquée, lui pose problème. Elle et son mari font partie de la communauté fondation, donc ce sont des chrétiens de conviction.
Et elle a demandé à quelqu'un qui s'appelle Gabriel Ringlet d'être l'aumônier de la clinique. Gabriel Ringlet est simplement le vice-recteur émérite de l'Université catholique de Louvain, et maintenant il est aumônier. Et par rapport à ce travail, je l'ai rencontré là, à Saint-Jacques il y a peu de temps. Il est hors de question de faire un acte d'euthanasie, j'ai envie de dire en catimini. La préparation de soins palliatifs, tout ce qui a été dit des soins palliatifs en France, ça existe aussi chez eux, c'est d'apaiser le malade, de lui permettre de revoir sa vie, de revoir ses proches, de mourir. Et Gabriel Ringlet insiste beaucoup pour qu'il y ait une célébration célébration du passage, en fait. Et je vais juste te dire une dernière chose. Un mot, alors. Il faut laisser la place aux autres. Gabriel Ringlet dit que l'acte d'euthanasie ne laisse pas indemne, mais qu'il se trouve en face de deux tabous d'égale importance, le tabou de « tu ne tueras pas » et le tabou religieux de l'amour, « tu fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Gwenaëlle, je me tourne vers vous sur la partie pratique, justement, quand exactement cette première partie qu'elle a évoquée. Juste, madame, pour répondre à la première partie de votre interrogation, on ne sait pas en effet ce que sera demain. On ne sait pas si, voilà, suite à cette hémorragie des soignants, on va, après des réflexions, après la mise en place de changements dans la société, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, après je ne travaille pas au domicile, ce que j'entends de mes amis qui travaillent au domicile, en fait, on ne laisse pas une personne en fin de vie avec sa douleur en attendant des heures sans avoir sa piqûre de morphine. D'abord, maintenant, on a quand même des moyens techniques où on a des pompes à morphine, où les choses peuvent être anticipées. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'anticipation. Je vois qu'il est pas tout à fait d'accord. C'est comme partout, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours... Mais en fait, pour la majeure partie des cas, je pense que vous êtes... Oui, je suis d'accord. Vous pouvez... Voilà. Il y a vraiment ce souci, et à domicile, ils sont quand même très réactifs sur ce sujet. Et pour demain, en effet, on ne peut pas vous répondre, parce qu'on espère que tout ça va changer, et moi, j'ai confiance en l'avenir. Après, pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Erwan Lemoredec, est-ce que vous souhaitez revenir sur ce qui a été dit ? Oui. D'une part, je suis heureux d'entendre qu'un prêtre catholique reconnaît encore qu'il y a un tabou d'une tueur à point et que ça continue de lui poser un problème. Moi, je suis surpris, je connais bien les idées de Gabriel Ringlet. Je suis surpris qu'un prêtre catholique puisse organiser un rituel entourant l'euthanasie. Je ne conteste pas et je trouverais assez normal que l'on accompagne une personne, parce que toute personne a le droit à un accompagnement spirituel, même si elle a demandé l'euthanasie, bien évidemment. Mais organiser une confusion entre l'enseignement de l'Église, le rituel catholique et l'euthanasie me semble très problématique, et de sorte que, certes, il est prêtre, mais je ne crois pas qu'on puisse se contenter d'exciper de sa condition de prêtre ou de catholique pour être en conformité avec la morale, même avec une morale laïque. Quant à Corinne Van Oost, je vous l'ai dit, je considère absolument pas que ce soit une personne malveillante. Je suis parfaitement convaincu qu'elle agit en pensant agir pour le bien des personnes et qu'elle est de bonne foi. En revanche, je sais aussi qu'elle pratique ce type d'euthanasie pour DMLA. Je vois pas comment on peut
l'accepter d'un point de vue chrétien. Je sais aussi qu'elle ne pratique pas d'euthanasie dans son service de soins palliatifs, notamment à la demande de son service, mais aussi parce que c'est trop dur, trop difficile de pratiquer des euthanasies auprès de personnes que l'on connaît. Et ça me semble assez révélateur, c'est que si vous voulez pratiquer cet acte, vous allez être obligé, puisqu'effectivement ça ne laisse pas indemne, vous allez être obligé soit de le faire ailleurs, soit de ne pas connaître la personne avec laquelle vous pratiquez. Et pour moi, c'est antinomique avec ce que l'on attend d'une relation avec un soignant. Encore une fois, je ne reproche pas à ces personnes de manquer de bienveillance, mais le fait qu'elles soient chrétiennes, malheureusement, et on a quand même suffisamment d'autres domaines dans lesquels on constate qu'on peut être chrétien et se tromper, je pense qu'elles se trompent assez lourdement. Merci beaucoup, Erwan Lemoridac. Est-ce qu'on a des réactions à distance, des gens qui nous regardent ce soir? Oui, alors des gens qui nous remercient. Je n'ai pas cité tout à l'heure Anceny et Saint-Clément dans le centre de Nantes, alors je les cite aussi. Des gens qui souhaiteraient élargir un peu le débat, car comme vous, ils constatent que c'est assez consensuel jusque-là. Accompagner une jeune personne en fin de vie. On nous parle d'anorexie, de difficulté à trouver des places en soins palliatifs pour ces jeunes patients. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous en dire de, effectivement, la fin de vie, quand on arrive au terme d'une belle et longue vie, c'est peut-être plus facile à supporter ou à accompagner que quand ça paraît plus injuste encore. Eh bien, visiblement, Rodolphe Moquet va nous en dire quelques mots. Je vais commencer en tout cas. Pourquoi je m'autorise à prendre le micro? Tout simplement parce que j'ai été responsable du service d'oncologie et d'hématologie pédiatrique à l'hôpital Mère Enfant du CHU de Nantes pendant 2 ans. Donc j'ai accompagné des parents qui étaient auprès de leur enfant malade, dont quelques-uns sont décédés, bien évidemment, pendant cette période-là. Un service où les enfants sont atteints de cancer et dont certains ne pourront pas survivre, dont certains sont porteurs de la maladie toute leur vie, donc autrement dit en palliatif toute leur vie. C'est un service qui forcément fait peur quand je l'évoque comme ça. Mais je vais vous rassurer tout de suite, c'est l'un des services de pédiatrie où il y a le plus de rire, le plus de bruit et le plus de vie. Il faut pour ça y aller, parce qu'effectivement, vous ne me croirez pas, sur de simples mots, et pour autant tous les stagiaires et les étudiants qui venaient à notre rencontre le découvraient au fur et à mesure. Alors ça ne masque pas, ça ne cache pas les moments difficiles, les moments douloureux qui sont traversés par les enfants. Par contre, ce que j'ai appris à travers cette période-là, c'est que la mort, l'évoquer, et j'avais envie de le dire aussi, donc j'en profite finalement, c'est le même sujet. Parler de la mort ne nous fait pas mourir plus vite. Or, on a tous peur de notre propre mort. On va tous mourir et on a tous peur de notre propre mort. Et donc, on est tous tentés, plus ou moins consciemment, d'évincer la question, de la mettre sous le tapis et d'attendre le plus tard possible pour en parler. C'est ce qui entraîne le fait que la démarche palliative dans notre pays se met en place dans les 3 dernières semaines de vie, nous dit l'Observatoire national, ce qui est bien tard quand on veut se soucier de l'obstination déraisonnable, quand on veut se soucier du questionnement éthique, du souhait du patient et du soulagement de ses inconforts. Ce qui m'interroge encore un peu plus si une nouvelle loi devait arriver avec une projection à plusieurs mois. Et pour revenir à mon sujet des enfants de tout âge, dont la mort était annoncée, eh bien, ce que j'ai appris avec l'équipe pluridisciplinaire dont je faisais partie, c'est que plus on en parle tôt et plus on met des mots dessus, plus, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs à mes collègues, plus finalement cette démarche s'entreprend avec une certaine douceur. La douceur n'enlève en rien le chagrin et la perte. Mais ça permet de limiter la violence et la brutalité d'une annonce d'une perte qui est
toujours déclaré, enfin qui est très et trop souvent déclaré dans les derniers jours. Parce que ce fameux cheminement dont on parle, dont les soignants parlent beaucoup, parce qu'ils le mesurent sur ce temps d'intégration, relativement d'acceptation, je vais faire attention aux mots, par lequel un certain nombre traverse, eh bien, il faut laisser ce temps-là. Et donc, plus on accepte d'en parler tôt, plus on fait de cette dernière tranche de vie une période où on va permettre à la personne malade, que ce soit un enfant ou un adulte, et à ses proches, de s'interroger sur quels vont être leurs essentiels dans ces moments-là, et de quoi ils ont envie, et quelles seraient les choses à faire pour ne pas les regretter avant que la mort arrive. Parce que le prix de la vie est précieux, et quand on commence à l'annoncer comme une fin possible, alors c'est une occasion que l'on donne à la personne malade, comme aux proches, de pouvoir s'en saisir. Donc, je souhaite juste dire que la pédiatrie m'a beaucoup éclairé sur le fait que la démarche palliative est exactement la même que pour la personne âgée, sauf qu'on la banalise peut-être un peu moins. Parce qu'elle est considérée comme injuste, bien trop précoce, terrible, pas naturelle, et bien du coup on y accorde beaucoup plus d'attention et on y va avec beaucoup plus de délicatesse. On devrait faire exactement la même chose pour toutes les personnes malades, quel que soit leur âge. Je voulais juste ajouter qu'il existait des équipes ressources en soins palliatifs pédiatriques, voilà, qui peuvent être aussi des ressources pour tout un chacun qui est concerné par le sujet. Autre question, réflexion, commentaire, question courte qui appelle des réponses courtes. Le temps commençant à défiler, on arrive doucement sur la dernière ligne droite de cette soirée. Bonsoir monsieur. Oui, je m'appelle Louis et je suis médecin. Malgré mon âge, j'ai conservé une sensibilité médicale. Alors je voudrais simplement poser une question de terminologie, parce que je suis venu un peu ici ce soir pour me recycler, comme on dit. Bon. Et je connais un peu quand même la mort, 60 ans, l'acharnement thérapeutique, j'en ai entendu parler par Pie XII. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais est-ce qu'on a le droit de parler d'euthanasie déguisée à l'égard de la sédation profonde actuellement? Parce que je vous signale que c'est écrit en noir sur blanc par Madame Fourcade, votre référence habituelle, dans le dernier numéro de, je sais pas, La Croix ou quelque part. Moi, j'ai vu ça et je n'ai pas inventé. Elle a dit... je ne fais plus. D'abord, honnêtement, je l'avais entendu bien souvent avec M. Ricourt et tout ça, quelquefois, sur les chaînes. Hein, et elle a toujours dit qu'elle ne faisait pas d'euthanasie, elle ne faisait pas de sédation profonde, pardon. Et c'est pour ça que si on oppose les médecins entre les partisans de la Société française des soins palliatifs et si on épouse les autres, moi j'en connais aussi de l'autre côté, des ADLB, appelez-les comme vous voulez, hein, mais ces gens-là, et ce sont des médecins aussi, ils ont une sensibilité. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que je voudrais savoir si oui ou non, je reviens à ma question, c'est pour ne pas m'étendre, euthanasie déguisée, hein, c'est la phrase exacte de Madame Foucault, je l'ai citée quelque part, hein, on sent bien qu'on est actuellement à l'euthanasie déguisée pour la sédation. Alors moi, je me demande, à propos des directives anticipées, est-ce qu'on a demandé une sédation? Est-ce que c'est une euthanasie ou pas? Erwan Lemoridec, est-ce que, avant qu'on cède la parole aux autres témoins ici, est-ce que vous avez un regard justement sur la question que nous pose monsieur? J'entends, j'ai pas extrêmement bien entendu, il m'a semblé entendre que cette phrase était attribuée à Claire Fourcade. J'échange suffisamment avec elle pour pouvoir être catégorique, elle ne considère en aucun cas que la sédation soit une euthanasie déguisée. J'ai entendu aussi que monsieur évoquait... Monsieur dit qu'il l'a lu, en tout cas qu'il l'a lu, voilà. Oui, mais bon, enfin voilà, pour qu'on ne lui attribue pas des propos contraires à ce qu'elle dit, c'est quand même important. Et effectivement, évoquant Pie XII, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que l'Église a eu sur ce sujet au moins 40 ans d'avance sur la société civile et 50 ans d'avance sur la loi, puisque en 1957, Pie XII avait fait un discours, répondait à trois questions qui portaient sur l'usage des antalgiques et des analgésiques et sur la licéité morale du fait d'utiliser des analgésiques, dans une situation où, globalement, ça atténuait la conscience et l'idée sous-jacente était qu'on ne pouvait pas se préparer à la mort et à la rencontre de Dieu dans la mort, et puis l'utilisation de ces produits s'ils étaient susceptibles d'accélérer la mort.
Et il, dans sa réponse, il dit très clairement que la question de l'intentionnalité est essentielle et que l'usage de ces produits est moralement licite si ils sont susceptibles d'avoir pour effet d'accélérer ou d'entraîner la mort, mais que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'effet recherché, ce n'est pas l'objet de la pratique. Et aujourd'hui, et je le dis d'autant plus que j'ai été amené à évoluer sur cette question, que comme beaucoup, je regardais la sédation effectivement comme une forme d'euthanasie non dite, et j'ai changé d'opinion grâce à ce discours, grâce à ce que les soignants m'ont dit. Cette question d'intentionnalité, outre le fait que ce ne sont pas du tout les mêmes produits qui sont utilisés pour une sédation ou pour une euthanasie, font qu'il me semble vraiment important de bien distinguer les deux, d'autant plus que ce soit les partisans de l'euthanasie ou certains catholiques un peu radicaux, on va dire, on adresse les mêmes critiques à la sédation, alors que c'est un outil qui me semble indispensable aujourd'hui dans la gestion des fins de vie. Réaction courte autour de la table ? Oui, peut-être juste un petit message pour nos auditeurs et pour les personnes qui sont avec nous ce soir. La sédation profonde et continue, c'est une démarche qui permet d'endormir la personne qui est en fin de vie, dont le pronostic vital est engagé à très court terme, c'est-à-dire entre 8 et 10 jours maximum, qui permet d'endormir la personne pour qu'elle ne souffre pas avant qu'elle meure de son processus naturel lié à sa maladie grave. Donc on sédate, c'est-à-dire qu'on endort la personne jusqu'à ce que la mort l'emporte en lien avec l'évolution de la maladie. Et on s'assure d'une antalgique, c'est-à-dire d'un traitement qui vise à le soulager pendant ces jours-là. D'où l'intérêt de mettre en place cette sédation profonde et continue dans les derniers moments, parce que l'idée, c'est pas d'endormir la personne pendant de longues semaines. Donc l'intention, c'est bien de soulager des symptômes dits réfractaires. Et l'autre chose importante, c'est que, comme beaucoup de choses en soins palliatifs, mais particulièrement celle-là, ça ne se décide pas tout seul. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on est censé faire une décision qu'on appelle collégiale pour bien vérifier qu'on est dans une bonne intention. Et la mise en place de la sédation n'empêche pas l'accompagnement. Pendant cette sédation, on accompagne non seulement la personne malade, mais également l'entourage qui est autour, avec tout ce qui se vit forcément dans cette période très importante. Et n'empêche pas non plus les symptômes du mourir, enfin, comment je vais dire ça, certaines choses du mourir, certains symptômes du mourir. Allez, il nous reste un tout petit peu moins de 5 minutes, on va prendre peut-être une question en ligne. Oui, justement, je rebondirai bien sur ce que vient de dire Guénaël Beauvois. Quelqu'un en ligne nous dit, mais alors comment on pourrait mieux aider les proches, la famille, et qui se sent terriblement démunis par ces situations? Je pense que dans la question, il y avait la période où l'être cher est encore vivant et puis après le décès. Comment accompagner? Qui se lance? Je réfléchis. comment accompagner? Déjà, en fait... Déjà, c'est tout un chemin avec la famille qui se fait au début à l'accueil et tout le long de soit de l'hospitalisation, soit de la prise en charge en soins palliatifs. C'est beaucoup d'écoute, c'est écouter leurs peurs, leur angoisse, là où ils en sont eux, qui n'est pas le temps de la personne malade non plus. En fait, chaque personne dans l'entourage aura sa temporalité personnelle. Et en fait, quelquefois, il suffit d'être là. Il suffit d'être là. C'est souvent, d'ailleurs, le rôle primordial des bénévoles qui sont juste là, sans rôle, juste, je ne sais pas, à la maison Nicodème, on a mis des bancs à la sortie des chambres. Et les bénévoles disent, on fait le banc. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent et puis ils attendent. Et les familles savent qu'il y a toujours quelqu'un pour les écouter. Donc il y a aussi beaucoup d'observations, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, voir les visages des gens autour. Et puis il y avait la notion d'après. En fait, on ne les laisse pas comme ça. En fait, il y a beaucoup de structures de soins palliatifs qui proposent
un accompagnement après de la famille, qui, des groupes de parole, qui proposent aussi des cérémonies après où on réévoque les bons souvenirs. Voilà, il y a pas mal de choses, je dois en oublier, mais si quelqu'un veut. Après, moi, je pense que pour nos auditeurs ou ceux qui écoutent, il faut qu'ils s'autorisent aussi à solliciter les professionnels au sens large ou les bénévoles pour échanger avec eux. Parce qu'effectivement, on a parlé à un moment donné de la mise en mots. Certes, sur certaines choses, on n'a pas de baguette magique, mais par contre, je suis convaincue de pouvoir partager ou mettre en mots sa souffrance ou ce qui nous traverse ou son ambivalence ou ses difficultés nous aide à continuer ce chemin d'accompagnement qui est effectivement quelque chose à traverser. Et l'après, effectivement, il y a d'autres structures qui peuvent proposer du soutien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais peut-être me tourner pour terminer vers Erwan Lemorédec. Erwan, est-ce que vous avez un mot à nous dire en conclusion ce soir, après tous ces échanges qu'on vient d'avoir ? Je voulais surtout remercier les personnes qui sont intervenues ce soir pour ce qu'elles ont pu dire, pu apporter et pour la sensibilité dont elles témoignent et puis fondamentalement pour être de celles qui portent la lumière dont je parle dans le titre de mon livre, parce que c'est vraiment une espérance pour la société et moi de savoir qu'il y a des personnes comme toutes celles qui vous entourent dans la société, c'est quelque chose qui me réconforte énormément. Donc je voulais vraiment tous vous remercier. Merci beaucoup Erwan Lemorédec. Merci aussi à nos témoins d'avoir pris la parole ce soir avec nous. Avant de se quitter ce soir, on va relaisser la parole à Monseigneur Père Sorou. Je vous en prie, reprenez un micro, je vous laisse. Qu'il y ait quand même quelques intervenants qui restent sur scène, parce que j'ai fait fuir les autres. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que nous avons entendu. Moi, j'ai entendu l'appel du Deutéronome résonner ce soir, « Choisis la vie ». Voilà. J'ai entendu, ou plutôt j'ai vu... le Christ s'approchait des personnes blessées au cours de son ministère en Palestine, à leur écoute, les remettant debout. Et puis, on a contemplé ce soir le Christ en croix, dans la souffrance, mais le Christ en croix vainqueur de la mort, et qui n'a jamais douté de la fidélité de Dieu pour lui. Et je crois que ce que nous avons entendu ce soir... quelles que soient d'ailleurs nos appartenances religieuses, notre foi ou notre non-foi, dans les témoins, je ne sais pas quelle était la foi des uns et des autres. En tout cas, comme chrétien, comme enfant de Dieu, j'ai entendu ce message de vie que nous sommes appelés à porter, nous autres, les disciples du Christ. Un message de vie serein, appelé à pacifier et appelé à porter... apporter l'espérance, notre espérance qui nous dit que la mort n'est pas la fin de la vie, mais que notre vie est ouverte sur plus grand qu'elle-même, et qu'accompagner, et c'est le beau titre d'ailleurs de Jalma, je trouve que votre association porte un nom absolument extraordinaire, jusqu'à la mort, accompagner la vie, parce que la vie est là, qui s'est exprimée dans tous les récits que nous avons entendus, y compris jusqu'au passage, et puis dans l'engagement des soignants, merci à vous d'être venus témoigner ce soir de votre engagement. Merci à tous les soignants qui sont là présents, que nous avons, nous chrétiens, accompagnés de notre prière, et puis à nous engager aussi comme citoyens, je crois, pour que le monde de la santé puisse être à la hauteur des attentes de nos contemporains et des besoins de celles et de ceux qui souffrent dans leur corps. Alors, il y a plein de merci à donner. D'abord, je voudrais présenter l'équipe qui a organisé cette soirée, parce que vous imaginez bien que ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Autour de Françoise Cocro, notre déléguée générale, il y a Joanne Fulton, déléguée épiscopale pour la pastorale de la santé avec toute son équipe. Il y a Mathilde Finot,
qui est la déléguée épiscopale pour la formation et l'initiation chrétienne, Isabelle Nagar et toute l'équipe de la COM, qui est responsable du service diocésain de la communication. Alors, elle est là ce soir avec une partie de son équipe, Tanguy Louvel, Gwendal Rich à la technique et d'autres. Évidemment, les intervenants que j'ai cités au début, je ne vais pas les reciter maintenant, mais que je remercie vraiment d'avoir donné du temps pour préparer. Il y a eu le problème de la grève qui a fait que nous avons eu Erwan Lemoredec en visio, mais ça s'est très bien passé. Merci à vous, monsieur, d'être venu être un peu comme le grand témoin de notre soirée et nous faire partager à la fois votre réflexion, votre expérience et puis votre foi vive en la vie et en Christ. Et puis merci à nous tous nombreux ce soir, hein, à la maison diocésaine rassemblée. La salle est comble et c'est quand même une grande joie. Et puis je pense à tous ceux qui sont devant leur écran ou rassemblés dans les paroisses et qui ont participé avec nous. Je crois que nous avons plein d'éléments maintenant pour réfléchir et pour avancer dans ce débat qui va se déployer, qui se déploie déjà dans la société française. Je crois qu'on est revenu à la source de notre espérance et de notre foi. Et puis, nous avons maintenant des éléments pour pouvoir nous faire... Vous savez, dans la lettre pastorale, je cite le pape Paul VI qui nous invite à nous faire conversation. Je crois que dans ce type de débat, nous avons d'abord à entrer en conversation et à nous faire conversation avec toutes celles et ceux qui nous entourent pour leur permettre, derrière les slogans... que nous pouvons entendre, ou les discours faciles, aller dans la complexité de ce qu'est la vie d'un homme et d'une femme, et du poids d'une vie, et de la valeur d'une vie. Alors, j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous l'avez, donc ça veut dire qu'elle a été distribuée au début de la soirée. Les évêques de France, on a co-signé une lettre qui s'intitule « Aux morts, où est ta victoire ?» et qui, je trouve, résonne bien avec ce que nous avons entendu ce soir. Alors, je vous invite bien évidemment à la lire, à en prendre connaissance. Et le diocèse, grâce au service formation et au service de pastoral liturgique et sacramentel, va nous proposer, dans le courant du mois de mars, un kit pour nous aider à entrer dans cette lettre des évêques de France sur l'accompagnement de la vie jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Il y aura un certain nombre d'éléments dedans pour nous permettre d'abord de comprendre, de creuser le message qu'il nous adresse. Et puis, il y aura aussi des propositions pour nous retrouver en petites équipes, pour partager ensemble et approfondir ce débat de société, approfondir cette question si fondamentale qui touche à notre être même. Alors, soyez attentifs, vous serez informés, je pense, dans le courant du mois de mars, de ces éléments que nous mettrons à votre disposition pour vous permettre d'aller encore plus loin. Et je trouve que ce soir, ça a été un bon starter pour nous lancer dans la réflexion. Voilà, en tout cas, un grand merci à chacune et à chacun. Oui, il y a encore quelque chose. Ah oui, alors, je n'ai pas présenté celui qui avait animé cette soirée. C'est quand même un péché grave de ma part. Donc, je vous présente Simon Marty, journaliste à Radio Fidélité. Et donc, je remercie d'ailleurs Radio Fidélité, qui est à la fois partenaire, organisatrice, enfin voilà, la radio qui permet au diocèse de se faire entendre. Voilà, donc merci à vous, Simon, d'avoir animé cette soirée, d'avoir été non seulement le monsieur chronomètre, le monsieur montre, le monsieur temps, le maître du temps, mais aussi d'avoir permis de donner à cette soirée un ton apaisé, serein, pacifié. Et ça, c'était très important au regard de la gravité du sujet que nous avons abordé. Donc merci beaucoup, Simon. Voilà, donc bonne soirée à vous. Un grand merci à vous tous. Ça sera réécoutable sur Radio Fidélité, sur Internet, alors, la chaîne YouTube du diocèse aussi, bien sûr, pour le podcast vidéo. Je pense qu'on pourrait quand même, voilà, nous sommes rassemblés, un certain nombre de chrétiens sont rassemblés ici dans le respect de la foi des uns et des autres, bien sûr, mais
rendre grâce au Seigneur de ce temps d'échange que nous avons eu ensemble, et puis confier au Seigneur toutes celles et ceux, hommes et femmes de bonne volonté, engagés aux côtés de nos frères et sœurs en souffrance, touchés par la maladie, qui sont en train de se préparer à franchir le passage de la mort à la vie, de la vie à la mort, de la mort à la vie, tout particulièrement de ceux qui sont angoissés, inquiets, tous ceux qui les accompagnent. Que le Seigneur nous fasse de nous des témoins de cette espérance, de la vie plus forte que la mort. Que le Seigneur accompagne toutes celles et ceux qui cheminent aux côtés de nos frères souffrants, et qu'il accompagne nos frères et sœurs souffrants. Et nous les confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa tendresse. Bon retour. La librairie Siloé nous a fait le plaisir de participer à cette soirée. N'hésitez pas, les livres de Erwan Lemorédec et d'autres sont à trouver au stand de Thibaut Dubois qui est là pour vous. Merci.